Donc, ce qui s'était passé la dernière fois, c'est que vous avez commencé une nouvelle mission, effectivement, qui concernait, en fait, d'après ce que vous a dit votre charmant agent de collection de n'importe quoi, votre agent de liaison, Anne Kowalski, il s'agissait, en fait, d'aider l'esprit, d'une personne morte à quitter le plan terrestre pour rejoindre, eh bien, allez savoir quoi. Il y a certains chercheurs Orpheus qui pensent qu'effectivement il y a une espèce de monde après pour les êtres qui sont effectivement les pour les personnes qui ont donc sont décédées. Que certaines y accèdent directement, c'est pour ça que tout le monde ne devient pas un fantôme, et qu'après, bien que les fantômes, bien ils peuvent y accéder en réglant leurs attaches. Pour d'autres, effectivement, bah, c'est juste le néant, hein, qui arrive après la mort, et que les fantômes, bah, c'est juste des résidus qui attendent d'être dissipés. Je ne sais pas de quelle école vous faites partie, mais en tout cas, On fait partie dis des donc. dissipés, hein. Oui, je comprends bien, je comprends bien. C'est plus facile pour le boulot. On est très dissipés. Okidoki. Et vous aviez donc reçu un petit briefing et, avec pas mal d'informations dedans. Donc, a priori, l'identité de ce fantôme, ça n'a pas été confirmé. Ce serait un homme qui s'appelle Stuart Maddox, qui était quelqu'un de son vivant, ben, qui était très impliqué dans les associations caritatives. Il essayait de devenir policier, mais il n'a pas pu. Bref, c'était quelqu'un de bien, a priori. Et disons que depuis qu'il est mort dans cette gare, suite à une rixe qui a mal tourné, il avait essayé de s'interposer et pouf, il s'est pris un coup de couteau mal placé, ce qui fait que, eh bien, il est décédé malheureusement, le pauvre. Eh bien, il se trouve qu'il y a eu une activité fantomatique assez importante dans cette gare, notamment, eh bien, le fait qu'il y avait pas mal de personnes, notamment des femmes et aussi des hommes, mais en moins grande proportion, qui ont signalé qu'ils avaient été aidés par quelqu'un qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ont fini par appeler le Samaritain invisible. Donc, c'est à la fois des personnes qui, eh bien, subissaient des accidents, hein, par exemple, il y avait quelqu'un qui était tombé sur les rails et qui a pu être sauvé in extremis par cette force invisible. Et aussi, ben, des agressions qui, pour la plupart du temps, ont été, eh bien, l'agresseur a été mis en déroute, voire c'est lui qui a été molesté par cette personne justement invisible. Et votre cliente, en fait, c'est une femme qui s'appelle, évidemment, tout ce que j'avais ouvert, ça s'est refermé, donc Audrey Maddox. Audrey Maddox, tout à fait, merci. Qui était donc la petite sœur de ce fameux Stuart Maddox, qui est donc persuadée que ben, c'est l'esprit de son frère. Elle a été sauvée également d'une agression par ce Samaritain invisible, et elle a eu l'impression fugace qu'il s'agissait de son frère. Elle a donc engagé Orpheus pour pouvoir permettre à l'esprit de son frère de pouvoir trouver le repos et enfin quitter le monde physique. De votre côté, vous aviez eu un certain nombre de pistes, hein, et vous avez commencé par aller interroger un homme qui s'appelle Tim Winter. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que ce fameux Tim Winter, il y avait beaucoup de suspicions comme quoi c'était l'homme qui avait agressé Audrey Maddox à la gare. Et vous avez donc été lui rendre une petite visite, hein. Et vous avez réussi à entrer dans son appartement en utilisant divers subterfuges, notamment vous lui avez fait croire qu'il y avait un site d'information sur Internet qui avait diffusé une story comme quoi, eh bien, cette jeune fille, Audrey Maddox, avait été attaquée par ce fameux Tim Winter, et que vous proposiez donc de régler à l'amiable ce petit différend. Notamment en bloquant le site, etc., que vous aviez vous-même mis sur pied. Et qu'on a bloqué, Vous, parce qu'on est bon. si vous n'arrivez pas à bloquer ce que vous avez vous-même créé en 3 secondes, ça aurait été difficile pour vous. Donc c'est Ça aurait été ballot, très ballot. Vous avez pu voir que chez ce Tim Winter, eh bien, ben, il n'était pas tout seul, en fait. Il était avec quelqu'un qui s'est présenté comme étant son avocat. Il s'appelait Nathan Sullivan.
Et ben disons que si au départ il semblerait qu'il y aurait peut-être eu un point d'accroche entre vous, il s'est avéré au final que Sullivan, qui bien menait clairement la discussion pour Winter, eh bien était quelqu'un d'assez intraitable et surtout qu'il avait sa propre vision dont cette affaire. C'est un petit détail intéressant que vous aviez inventé quoi 2 minutes avant. Eh bien, lui, il a clairement menti, ça vous le savez, parce qu'il a dit qu'il était là pour discuter avec son client justement de cette affaire, ce qui n'était donc pas possible. Vous avez donc quitté les lieux après cette petite altercation, tout en laissant derrière vous le personnage de Baralt, qui s'appelle déjà Rupert. Ouais. Et donc Rupert a pu écouter effectivement une petite conversation entre Sullivan et Winter, où Sullivan clairement avait l'air de mener par le bout du nez ce pauvre Winter. Est-il quelqu'un de pauvre finalement? Je ne sais pas. Donc, eh bien voilà. Nous il y sommes. Plus que ça quand même. Dans l'incident, ils avaient parlé d'une meute dont plusieurs membres auraient des ennuis et qu'il y avait un gros événement dont toute la meute devrait faire partie. Ah, mais c'est un. J'ai connu l'incident de la station, vu qu'ils en avaient parlé à la fin, on avait compris que c'était bien lui qui avait agressé à la station. Tout à fait, mais c'est pour ça aussi que vous avez votre mot à dire durant les résumés. Si vous avez des choses à rappeler à vos camarades, n'hésitez moi, pas. C'est ça la fin du truc, c'est ça, c'était sur ça que ça s'était fini pour le coup. Tout à fait. Ok. Pensez-vous que j'ai oublié de vous rappeler quelques petites choses ou non? Non. Ok. Alors, avant de commencer proprement dit la session, j'ai une petite question. La dernière fois, certains d'entre vous avaient envoyé des emails à certaines personnes pour pouvoir prendre contact avec elles. Je voudrais que vous me redonniez les noms de ces personnes et exactement ce que vous avez mis dans ces mails. Ah. Vous pouvez changer comme ça si vous avez si vous dites que vous avez fait une connerie. Moi j'avais pas un nom de personne particulier, c'était quelqu'un à le commissariat ou à l'académie de police pour savoir les ah oui Stuart Maddox pourquoi il avait été recalé. Oui, ça je pense que d'ailleurs ça avait été répondu. Pas vraiment un point, oui, c'était, tout à fait. Oui, parce qu'il avait effectivement des difficultés au niveau physique, hein, il n'était pas au niveau tout simplement. Par contre, vous aviez essayé d'entrer en contact, si mes souvenirs sont bons, avec les femmes qui avaient été identifiées sur le document du briefing. Je pense que c'était Tania X et aussi que vous avez essayé de contacter Audrey Maddox, je crois. Y avait-il quelqu'un d'autre? Non, je crois pas. Je me souviens plus de cette partie-là, ça devait être en tout début. Ouais, c'est possible. Ouais. Oui, moi, je ne me souviens pas de façon d'avoir contacté qui que ce soit, puisqu'on avait eu les renseignements. Et du coup, vous aviez eu des mails, en fait. Donc, en relisant ça... Vous aviez envoyé des mails, donc comme vous avez envoyé des mails, vous n'avez pas eu la réponse alors, tout de suite, évidemment. Parce que moi, ça ne me parle pas, ça ne parle pas à Mathias, c'est Tony, non, c'est toi qui l'avais fait. Là, franchement, je ne sais pas. Et voilà. Non, moi, j'avais ça me suggérait qu'on essaye de savoir, d'avoir la description du jeune homme qui avait attaqué Tania X. Mais je me souviens pas que c'était à elle que spécialement on l'avait demandé ou si c'était à Orpheus. Alors, donc, je sais plus là. C'est sans doute à Orpheus parce que. Bon après. Vous pouvez donc me dire donc, que vous l'avez... donc à l'agent de liaison directement. Parce que moi le souvenir que j'ai, vous pouvez peut-être me dire que j'ai inventé, hein, c'est possible. Peut-être que je viens d'un univers parallèle et que c'est passé autre chose là-bas avec vos doubles respectifs. Mais mes souvenirs, c'était que vous aviez envoyé en fait des emails où vous vous présentiez, je crois, comme des détectives privés et que vous vouliez effectivement avoir un entretien avec ces personnes. Non. Et qu'après vous étiez parti. Non.
Ça, je t'assure, on l'a pas fait. Ouais, ça, on l'a pas fait, ouais. Quand on avait demandé effectivement des informations sur Audrey Maddox pour avoir son adresse et sur une autre des nanas au cas où, mais on était passé par Orpheus et on les avait pas contactés, les gonzesses. Ok, d'accord. Vous remarquez que le terme gonzesse n'est pas utilisé par un mâle sur la table. On veut pas avoir un hashtag. Hein. Ok, donc oui. Donc, eh bien, dans ce cas-là, vous ne l'avez pas fait. Je considère que c'est bon. Ma question donc est, qu'allez-vous faire désormais? Vous avez eu ces informations concernant Tim Winter. À la rigueur, je considère que vous êtes encore dans le au bas de son immeuble. Peut-être que vous êtes rentré dans la voiture où vous êtes par laquelle vous êtes arrivé. Et que Rupert donc vous a rejoint. Il peut se manifester pour zéro point de vitalité pour vous expliquer ce que lui a vu. Oui. Ça peut être intéressant. Mais dans le portable de quelqu'un ou je sais pas, ouais, je peux écrire. Simplement. Oui, tout à fait. Même en te mettant dans le portable de quelqu'un, tu peux faire en fait sortir ta voix du haut-parleur de façon très grésillante. Ah. Bah, compte rendu de ce qui a été fait, quoi. Ce qui a été dit. Ce qui fait que vous allez pouvoir continuer votre investigation de la manière dont vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez vous rendre directement, si vous le souhaitez, à la gare pour savoir ce qu'il en est. Je précise que si certains d'entre vous veulent y aller sous forme d'esprit pour les dormeurs, eh bien, il faudra passer par la case congélation. Ça prend à peu près 4 heures, une fois que vous êtes retourné à Orpheus pour pouvoir rentrer dans vos petits caissons de cryogénisation. Et pour les autres, eh bien, pour ceux qui sont de simples glisseurs, un petit peu de méditation suffit si vous avez la compétence. Ce qui fait que vous pouvez le faire un petit peu n'importe où, si c'est un petit peu tranquille. Vous voulez aller à la gare, c'est ça là ? Il n'y a pas que ça après. Hein. Si vous avez envie d'avoir d'autres informations. Alors, je sais pas si tu l'as dit, Lynn, tout à l'heure, mais. T'as dit en fait à propos de Nathan qu'il a parlé de la meute, hein, c'est ça hein. C'est ça, il a parlé d'une meute dont plusieurs membres auraient des ennuis, qu'il y aura bientôt un gros événement dont toute la meute devra faire partie, dont Tim Winter, qui avait l'air un peu de vouloir se retirer de tout ça. Et c'est là qu'il avait à la fin mentionné par rapport justement à l'incident de la gare, donc ce qui nous avait laissé soupçonner que Tim Winter était vraiment l'agresseur. Et c'est ce que Nathan a l'air d'être le maître des marionnettes, en fait. J'avais noté aussi qu'effectivement, il devait avoir une réunion assez importante et qu'il allait envoyer des cartons d'invitation aux membres. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que apparemment, Nathan Sullivan tient Tim Winter par des photos compromettantes. C'est ça. Ouais. Il n'a peut-être pas parlé de photos, mais oui, il a peut-être quelque chose de compromettant sur lui. Ouais, j'ai mis photos compromettantes, mais voilà, il y a quelque chose. Il le tient par quelque chose, en tout cas. Bah, en même temps, s'ils font ça se trouve, c'est un enregistrement audio où Tim Winter est en train de chanter la Traviata avec une voix très aiguë. Ouais. S'il prend des sales coups avec toute une bande, il suffit que Nathan Sullivan ait des vidéos de ça où lui il est pas dessus et il peut tous les baiser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et son cabinet d'avocat s'appelle Sullivan et McLaren. C'est ça. Voilà. Donc y a plein d'informations qu'on peut rechercher en fait. Et on n'a pas moyen par un de nos deux, enfin pas notamment par toi. Par vos compétences, d'essayer peut-être d'espionner un petit peu son téléphone à Nathan Sullivan ou ce qui se passe à son cabinet. Tu vois, qu'on les voit partir, ces fichus cartons, quoi, qu'on connaisse le lieu, l'heure, ce qui. Ils parlent de cartons d'invitation. Donc, On peut aller espionner effectivement chez McLaren et Sullivan, là, chez Sullivan et McLaren. Ouais, nous deux, on est connus, donc c'est plutôt, tu vois, pendant qu'on va à la gare, si on avait trouvé un moyen de mettre un sorte de logiciel espion, tu vois, ou par un des... Moi, je n'ai pas les moyens de faire ça, mais je connais un hacker qui pourrait le faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, tu sais, de le faire un peu, de tracer un peu ce qu'il fait, ou d'essayer de... Enfin, après, à mon avis, il doit sécuriser ses comptes, tout ça, mais au moins de le faire surveiller un peu, quoi. Voir un peu ses activités, qui va voir... Moi, je peux voir avec mon pote qui est hacker. Il peut peut-être essayer de voir s'il peut pas tracer son portable. Maintenant, ça va être difficile. On n'a pas le numéro, on n'a rien. Bah,
Après, ça reste quand même un avocat qui doit être joignable 24 heures sur 24. Il suffit de devenir son client ou de connaître un de ses clients et peut-être que vous aurez son numéro de portable, tout du moins professionnel. Ouais. Ouais, je peux encore peut-être demander le thé des poulets là si s'il s'est présenté comme avocat d'un criminel. N'y a pas Je de leur demande souci. ça. Tu peux donc appeler Okay. effectivement ton contact à la police qui fait Ouais. deux fois en une journée. Bien, Tonino, on pourrait presque croire que tu m'appelles pour d'autres raisons que quelques petits services professionnels. Promis, la troisième fois, ça sera pour te donner un indice qui te servira. J'ai compris, j'ai compris. Alors, Et en attendant, écoute, je t'écoute. le donnant est dans l'autre sens. Je te devrais ça, je te devrais ça. Mais j'espère bien. Qu'est-ce que tu veux alors, mon Tonino? Ouais, est-ce que par hasard le cabinet McLaren Sullivan, ou plutôt Sullivan et McLaren, serait déjà présenté pour un criminel? Notamment peut-être Alors. Tim. Merde. Alors, quand tu lui parles effectivement Oui, du ça cabinet merci. d'avocat, il commence par te dire, ouais, le nom, eh bien, ouais, je crois que j'ai déjà entendu ce nom-là une fois ou deux, oui. Tu pourrais avoir leur numéro dans un de leurs dossiers si tu te souviens du dossier? C'est pour ça que tu m'appelles? Alors qu'il te suffit d'ouvrir le bottin pour trouver le numéro d'un bureau d'avocat. Ben, c'est-à-dire que le numéro que je te demande est peut-être pas le numéro officiel de chez eux. Ce serait peut-être plus simple que tu me dises alors quel numéro tu voudrais exactement, tu crois pas? Le numéro de Sullivan directement. Alors, Sullivan, je crois que Non, c'est pas leur Nathan, c'est nom de ça? cabinet. Oui, je chuchote les deux, hein. C'est un peu Tout à super. fait. Oui, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je dis suffisamment à haute voix, moi, pour. Je ne suis pas isolé, hein. Je reste dans la voiture à haute voix. Écoute, ouais, c'est tout à fait possible, je pense, hein, pouvoir trouver quelques-uns de leurs clients. Pouvoir soutirer entre guillemets le numéro de téléphone, hein. C'est pas quelque chose non plus qui coûte des milliers de dollars, hein. Ça reste des numéros de téléphone professionnels de toute manière. Donc ouais, je peux te trouver ça. Ça me prendra une ou deux heures possiblement. Ouais, et quand tu auras, donne-moi aussi le nom de ce client-là que tu auras trouvé. S'il s'agit pas de Tim Winter, sinon ça me sert à rien. Ok, eh ben écoute, je vais essayer de voir ça. Je sais pas sur quoi t'es, mais tu sais, s'en prendre à un cabinet d'avocat, si c'est bien ce que tu comptes faire, c'est généralement s'attirer comme un véritable camion poubelle d'emmerde. Donc Ouais, si mais j'étais toi, je me serais ceux-là, renseigné. je pense qu'ils couvrent un truc qui te dirait bien d'avoir une fois qu'on aura les preuves. Donc, fais confiance et file-moi les infos. Tu Ok, rendras service tous les deux. pas de Rattrape souci, le nous. je te trouvais ça. Et donc après, ben il raccroche. 2 heures plus tard, tu recevras effectivement les informations que tu as demandées. Mais d'ici là, si vous avez quelque chose que vous voulez faire entre deux, eh bien n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez dire que vous prenez un petit thé, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. C'est un Irish tea hein, pour Mathias. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis plutôt café italien, mais bon. Non, mais Chaussettes, comme en prison. tu comprends, fantôme, ça fait penser à l'Angleterre. L'Angleterre, ça fait penser au thé, donc voilà. C'est logique. Ok. Donc vous attendez cette information ou vous essayez de creuser autre chose entre-temps? 2 heures, on a peut-être d'autres trucs à voir. Tout en sachant que là, je pense que vous êtes aux alentours de midi. C'est pareil, ouais, essayer de voir avec On va aller manger.
Ouais. Oui, déjà. Mais bon, RP, quoi. Miss Jet 37 et Tania X, par contre, effectivement, peut-être les rencontrer. Donc, essayer d'avoir leur adresse, etc. La sœur, on voulait rencontrer. Ah oui, la sœur. Ah, faut que je note. Là. Votre cliente. Ouais, au moins voir la cliente, ouais, ce serait pas mal, quoi. Puisque c'est elle qui nous a qu'à contacter Orpheus, quoi. Avant d'aller okay. à la gare, peut-être, je sais pas. Enfin. Ouais. Il n'y a pas de souci. À la rigueur, l'adresse d'Audrey Maddox, vous la connaissez. Elle se trouve dans le dossier, ce qui fait que vous pouvez vous y rendre assez facilement. Sans difficulté majeure. Qu'est-ce qu'on fait alors, après avoir bouffé? On y va? On va la voir ou pas? Ouais, on y va. Okay. Surtout qu'elle a un petit risque, elle, parce que pour dédouaner le Stuart... Si elle disparaît, il n'y a plus d'accusation. Ouais, je pense pas qu'ils s'amuseraient à ça. Mais bon, je vois pas leur intérêt, vu qu'à priori, ils n'ont pas tout contre lui, ils n'ont rien. Donc, Un peu jusqu'au boutiste. Ok. Donc, c'est parti pour se rendre vers Audrey Maddox, qui habite au quatrième étage d'un immeuble assez ancien. C'est vraiment pas la... C'est vraiment pas la classe. C'est un immeuble qui n'a pas été rénové depuis un certain temps et clairement, c'est le genre d'endroit où le loyer, eh bien, il est bien plus cher qu'il ne devrait l'être, tout simplement, bah, parce qu'il y a un manque de place dans la ville flagrant, ce qui fait que les propriétaires peu scrupuleux en profitent. D'ailleurs, quand vous arrivez à l'entrée de l'immeuble, vous remarquez eh bien que la porte vitrée d'entrée a été brisée. Et une fois dans le hall d'entrée, n'a pas été nettoyé sans doute depuis une bonne semaine, parce qu'il commence à y avoir un petit peu de taches un petit peu partout, hein, et que, ben oui, un petit peu dans le coin, là, juste à côté du miroir, à côté, en fait, des endroits où on poste le courrier pour les différents, appartements, ben, il y a même ce que vous supposez être une flaque de vomi séché. C'est super ragoûtant. Et quand vous essayez d'appuyer sur l'ascenseur, bah, l'ascenseur visiblement ne marche pas, va falloir prendre les escaliers. Au moins, ça, vous aurez un bon cardio après. C'est une bonne chose. C'est un immeuble pour sportifs. Quand vous arrivez devant son numéro d'appartement, le 42, parce qu'elle a réponse à tout, eh bien, vous pouvez effectivement frapper ou sonner. Et vous entendez que c'est très subtil comme son, mais il semblerait que le judas soit relevé. Et vous entendez une voix féminine vous dire « Oui, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?»« Oui, bonjour, nous sommes envoyés par Orpheus pour venir vous parler. » Ah, Orpheus, écoutez, attendez, passez une toute petite minute le temps que je me prépare et oui, je vous ouvre tout. Oui, hein, vous entendez qu'il y a beaucoup de petits bruits de l'autre côté, genre ben, on est en train de sans doute faire une espèce de petit passage là où il y avait énormément de choses à terre, hein, visiblement pas mal de magazines, de feuilles de papier. Et au bout d'une minute, vous entendez eh bien les verrous eh bien cliquer, se déverrouiller, et une jeune femme, cheveux bruns, qui doit être dans les 18-20 ans, pas plus, avec quelques petites taches de rousseur sur le haut des joues, vous ouvre. Vous avez déjà vu la photo d'Audrey Maddox, c'est bien elle. Ah, je vous en prie, je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux. Bon, on est trois. Pour l'instant, je rappelle que vous êtes à trois de visibles, et que pour l'instant, je considère que Rupert, lui, est toujours sous forme eh bien, ectoplasmique. Donc oui. Invisible et... complètement intangible. Elle vous invite donc à rentrer dans son appartement qui, ben, ça vous fait penser à une caricature des appartements d'étudiants qui sont connus pour ne pas ranger, parce qu'effectivement, c'est vraiment le bordel. Vous rentrez en fait dans une espèce de petite cuisine dans laquelle eh bien, s'entasse pas mal de vaisselle qui n'est pas faite au niveau eh bien, du lavabo.
Il y a un frigo sur lequel il y a énormément de magnettes qui sont collées directement sur la porte. Et elle vous guide dans une pièce qui est visiblement un salon, sur lequel il y a énormément de bouquins placés par terre. Visiblement des bouquins qui traitent à la fois de ce qui a l'air d'être son domaine d'études à l'université, et des choses un petit peu plus ésotériques. Par exemple, vous voyez pas mal de bouquins concernant les médiums, et aussi sur ce qui traite de ce qu'il y a sur la vie après la mort. Au niveau des canapés sur lesquels vous propose de vous asseoir, mais ils sont un petit peu encombrés, hein, ce qui fait qu'elle vous précède un petit peu en enlevant le bazar qu'il y a dessus, en disant « c'est bon, vous pouvez vous asseoir ». Ah, j'attendais votre visite, vous savez. Elle-même reste debout, il n'y a plus de place pour elle pour s'asseoir. Et elle fait « J'espérais vraiment vous voir avant que vous aidiez mon frère à quitter ce monde. Franchement, vous n'êtes pas du tout comme j'imaginais », fait-elle surtout en regardant Mathias. En tout cas, elle vous dit, écoutez, c'est vrai, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Vous voulez peut-être un café, un thé, autre chose ? Un truc un peu oui, fort. Café. Un peu plus fort, peut-être, je sais pas. Un peu plus fort, un café noir ? Oh, d'accord, un café noir, allez. Donc, elle commence à se retourner pour aller vers la cuisine, et elle continue à vous parler, en fait, d'une voix forte, tandis qu'elle prépare effectivement les cafés pour tout le monde. Alors, dites-moi, comment ça va se passer? Vous n'allez pas lui faire mal, au moins, hein? Non, parce qu'il a déjà beaucoup souffert, s'il doit partir, effectivement, pour l'autre monde, eh bien, il faut que ça doit se passer en douceur. Je l'ai lu dans un bouquin que, des fois, ça risquait peut-être de faire mal. Dites-moi, c'est quoi votre méthode? Elle n'arrête pas de vous poser des questions, etc., sur comment est-ce que vous vous y prenez. À vous de voir si vous désirez y répondre ou si vous allez directement à l'essentiel. Oui, bon, moi je lui explique que ça dépend aussi. Enfin, on va d'abord tenter de prendre contact avec lui et de voir exactement ce qui le préoccupe, et que normalement, si déjà ça s'est fait, normalement il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas à recourir à des méthodes. Voilà, je la rassure, tu vois, je fais un peu le speech. Tu sais, j'ai lu le manuel comment faire ton speech officiel sur les fantômes quand tu vois des newbies. Donc je lui sors, c'est là, oui, ne vous inquiétez pas, tout est toujours fait, on utilise de l'anesthésie, les gants sont propres, là, tous ces trucs-là, tu vois. Ouais, je regarde Lynn avec des grands, enfin Méline avec des grands yeux, en me disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi. Non, mais le manuel, c'est... tu vois, je suis pas Scorpheus avec leur grande méthode, disons, vraiment, c'est un manuel de comment tu parles de ça avec les clients, machin, donc... Oui, mais les fantômes sont des êtres malheureux qui, de toute façon, ne peuvent retrouver leur bonheur qu'à partir du moment où ils arrivent dans l'autre monde, et que donc c'est quelque chose qu'il faut faire, et qu'Orpheus fait avec talent, et aussi énormément d'empathie. Tout à fait, et toujours dans le plus grand... L'empathie étant parfois des coups de pied dans la tronche, mais bon, ça c'est pas grave, ça on ne le dit pas. Moi, je lui dis. C'est une réaction empathique à la façon dont se conduit le fantôme. Elle n'a pas besoin de savoir que c'est parfois des coups de pied. Ouais, non, moi je lui dis juste qu'en fait, il va juste falloir rompre la tâche, c'est tout. Ok. Et donc, comme c'est un terme technique, je dis oui, effectivement, il faut que le fantôme arrive à se détacher de ses liens réels. Voilà. Mais parlez-nous un peu de vos rapports avec lui, qu'on ait des éléments pour pouvoir discuter avec lui, de choses que vous savez de lui et que lui sait de vous. Alors, déjà, lorsque tu poses avec son petit plateau en forme de tête d'Hello Kitty, sur lequel, il y a les cafés posés dessus, et elle vous les met juste devant vous sur une table basse qui est jonchée de documents divers. Moi, je sors ma flasque et puis je rajoute un petit peu de choses dans le café, quoi, que ce soit un peu fort, hein, voilà. Ah d'accord, pendant vos heures de service, fait-elle inclinant un petit peu la tête. Oh, ah d'accord. Je ne peux pas le voir. Oui. Si, moi je le fais devant elle, hein, c'est pas... Voilà, c'est... Ça la perturbe un petit peu, mais vu que Tonino est en train de poser d'autres petites questions, ça détourne complètement son attention, notamment parce qu'elle adore parler d'elle et de son frère.
Ah, écoutez, mon frère, ça a toujours été quelqu'un de très très bien. Hein. Ça a été mon modèle, même si je pense que pour lui, quand j'étais jeune, c'était vraiment une source de nuisance. Vous savez comment on est quand on est gamin, eh bien, on est stupide, on fait des conneries, et des fois on dit des choses, eh bien, qu'on ne pense pas du tout, ou plutôt qu'on pense sur le moment, mais c'était quelque chose de complètement con, quoi. Non, c'est... oui, hein, vous savez bien, ça vous est déjà arrivé à dire de votre mère que vous la détestiez alors que ben, c'est pas le cas, quoi. C'est juste qu'elle vous ennuyait sur le moment. Elle dit ça à votre mère ? Je suis vraiment très con, hein. Moi, je laisse parler, mais ça m'amuse. Okay. Ça marche. Je prends mon café. Ça va être drôle. Eh bien, Audrey est de plus en plus perturbée mais par cet échange, mais elle essaye de prendre sur elle. Dis pas à sa mère, ça. Est-ce que tu lui fous une baffe? Chez nous, chez les Italiens, la mère, c'est sacré. Chez les Italiens, ça se dit pas, ça. Non, mais... La maman, c'est sacré. Tu la prends par l'oreille et tu l'emmènes chez sa mère, c'est ça. auprès de la maman. Vous aviez de temps en temps des tensions, c'est ça. Bon, j'interviens quand même, ça m'amuse. Oui. Des tensions, peut-être, quand j'étais jeune, oui, mais... beaucoup moins au moment de son décès. J'ai du mal à prononcer le mot. Déjà parce qu'on se voyait beaucoup moins et parce que j'avais appris à le... Oui, à le connaître mieux et à voir que ce qu'il faisait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il faisait quoi ? Bon, après, il faisait énormément d'humanitaire, vous savez. Hein. Il œuvrait pour des associations de charité, il récoltait des fonds, il aidait les sans-abri à pouvoir loger au chaud. Des choses que... Bien, je suis ravi qu'il ait fait et de m'avoir montré la voie. Pour la seule chose, c'est vrai, c'est que au niveau sentimental, hein, vous ne pouvez pas dire qu'il savait très bien choisir ses partenaires. Mais bon, ça, j'imagine qu'on est un petit peu tous logés à la même enseigne. C'est sûr. Vous avez être convaincu que c'est lui dans la gare. Alors, elle ouvre de grands yeux de surprise par rapport à ça. Elle fait, mais enfin, qui ça pourrait être d'autre ? Il agit exactement comme l'aurait fait mon frère s'il avait été. Si mon frère était persuadé d'avoir pu être un fantôme après sa mort, je suis sûr qu'il agirait comme cet individu, ce samaritain invisible, qui aide les personnes qui en ont besoin. Après, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait la gare Saint-Emission Station. Peut-être qu'il est. Qu'il est bloqué là-bas, mais non, la façon dont il agit et l'odeur que j'ai sentie lorsque j'ai été aidé, non, ça ne peut être que lui, j'en suis certaine. Quelle odeur ? Je vais faire un petit jet de psychologie, par contre. Et donc, une odeur de jasmin, c'était très proche du parfum qu'il mettait tout le temps depuis qu'il était adolescent. Il était très fidèle par rapport à ça. Il n'a jamais changé de parfum, jamais. Psychologie, on n'a pas ça. Alors, empathie, ouais. Oui, non, mais je confonds avec donjons et dragons et d'autres choses. Expression, ça ne peut pas marcher ? On ne peut pas le décrypter plutôt par ses expressions ? Moi, j'ai aucune empathie. Non, expression, c'est la maîtrise du langage. Là, c'est plutôt du langage corporel, donc c'est plutôt de l'empathie. Empathie, donc avec quoi ? Avec, avec perception, tout simplement. Ok. Donc, attends, il faut que j'aille sur G2D. Alors, c'est slash R, espace, c'est ça, hein ? Slash R, espace, oui, ton nombre de dés, petit dé normalement. Il n'y a pas le R. Alors, ouais. S'il n'y a pas le R et l'espace, ça marche pas. Alors, Lynn, tu as 2 réussites. Et... Le 8 compte pas ? Ben oui. Ah oui, le 10 compte pour 2, j'avais oublié. Oui. 3 réussites. Et Tonino, on a 2. Il y a quelque chose de bizarre, non ? Pourquoi il 3 il a un 10. Non, il a 7, 7 et 1. Ah, oui. Ah d'accord, je regardais son précédent jet du 9 juillet. Oui. Ouais, garde en tête mes meilleurs jets, s'il te plaît. Ouais, j'essayais de favoriser, mais le MJ n'a pas voulu marcher, désolé. On
essaye de tuer le MJ, c'est pas bien. Non, mais je vous jure. Non, gaffe, alors, c'est pas grave. Je note, ça va se payer sur d'autres parties. Non, c'est tellement généreux et bon et grand que tu seras passé au-dessus de ces petites erreurs. Les dieux sont connus aussi pour être mesquins. Je ne fais pas exception à la règle. Ok. Donc, toi, Tonino, il y a quelque chose qui te paraît étrange dans son langage corporel, suite à sa réponse à la question de Méline. Et tu sais pas trop quoi, par contre. Toi, par contre, Méline, c'est une espèce d'espoir presque fanatique que tu vois dans son regard quand elle dit ça. Ouais, donc elle veut que ce si, soit... elle veut que ce soit son frère, clairement, ouais. D'accord. Bon, ça, on le savait qu'il y avait une chance que ce soit pas... Mais bon, ok. Si c'est votre frère, est-ce que vous savez s'il a des propos, des thèmes, des sujets qui peuvent nous aider à nouer un meilleur contact avec lui? Eh bien... Oui, oui, sans doute. Comme vous pouvez voir, d'après ce qu'il fait, ce qu'il y a après, même la mort n'a pas pu entacher son désir d'aider autrui, notamment les plus faibles. Je pense donc que peut-être dire que vous voulez l'assister dans sa tâche, ou peut-être, je ne sais pas, dire que vous admirez ce qu'il fait et que vous voudriez le prendre comme un exemple, peut-être que oui, ça vous permettrait de parler facilement avec lui. Mais vous savez, mon frère, ça a toujours été quelqu'un qui écoutait beaucoup les autres. Hein. Si vous arrivez à lui parler directement, je suis certain que il vous répondra de la façon la plus agréable qui soit. Hein. Et il cherchait de la reconnaissance, alors vous me dites. Il appréciait quand on lui disait qu'il faisait bien les choses. Oh, pas vraiment, non, non. Ouais. Il appréciait les actes pour lui-même. Mais c'est vrai qu'il aimait bien quand d'autres suivaient son exemple. Il se disait, ben voilà, ce que j'ai fait, c'est pas inutile. Et vous savez comment il avait vécu son premier choix de carrière qui n'avait pas pu aboutir à cause de ses performances physiques avait été la police. Vous savez que ça a été un gros... Ah, la police, oui, oui. Ah, moi, il m'en a jamais... que à maman, par contre, oui, il en avait parlé à l'époque. Il était déçu, hein, parce qu'il pensait que c'était en tant que policier qu'il pourrait faire le plus de bien dans cette ville. Bon, après, il a réussi à nous prouver à tous qu'il pouvait peut-être même faire mieux sans entrer, effectivement, chez eux. Excusez-moi, prouver à tous, pas seulement à vous. C'est quoi les autres rapports avec sa famille ou voir sa partenaire ou ses partenaires, je ne sais pas. Vous parliez de mauvais choix de partenaire d'ailleurs. Ah oui, 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 non. Avant sa mort, c'était pendant 2 ans avec une fille. J'ai toujours trouvé très idiote et égoïste. Ça s'appelait Émilie quelque chose, Jenner, je crois. Non, mais vous savez, franchement, je pense qu'elle lui a fait beaucoup plus de mal que de bien, cette fille. Elle faisait quoi, cette fille? C'était une étudiante. Hein. Après ce qu'elle fait actuellement, je n'en sais rien du tout. Hein. J'ai perdu le contact, et tant mieux d'ailleurs. Oh, vous savez, c'était le genre à étudier... vous savez, de la psychologie pour faire dire, ah bah oui, moi je sais, je connais les gens, quand je les écoute, je peux leur faire du bien en leur trouvant des idées pour aller mieux. Vous voyez, le genre, là, très... Non, franchement, elle était très prétentieuse. D'accord. Il l'avait rencontrée comment? Parce que si elle était prétentieuse, si lui, il était très désintéressé, c'est étonnant. Il ne devait pas avoir des cercles communs. Oh, je ne sais pas, vous savez, hein. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le genre de bêcheuse à aller faire une journée en humanitaire ou d'aider des associations pendant quelques heures juste pour dire « Ah bah vous voyez, moi, les associations, j'ai fait, hein, je suis quelqu'un de bien. » Non, franchement, je suis pas du genre à dire du mal des gens dans leur dos. Hein. Mais elle, je suis désolé, non, c'est pas quelqu'un de bien, non, franchement. Ils ont pu trouver tellement mieux. Stuart. C'est terrible. Et par rapport à votre agression à vous, vous avez reconnu votre agresseur? Enfin, vous êtes persuadé de l'avoir reconnu ou pas du tout, vous en souvenez pas? Ben, je n'ai...
certes, j'ai dit à vos employeurs que j'avais été agressé pour ça, mais je n'ai pas porté plainte, vous savez. Non, je n'ai pas vraiment vu qui c'était. Tout ce que je sais, c'est que il a essayé de voler mon sac, et donc voilà, il a été puni physiquement. Je pense que ça suffit. Je pense qu'il ne le refera plus maintenant. D'accord. Mais vous avez choisi de ne pas porter plainte. Oh oui, non mais... vous savez, hein, quand je l'ai vu partir, j'ai vu qu'il saignait, donc il a dû quand même prendre un sacré coup. Hein. Non, mais je peux tout à fait comprendre mon frère. Hein. Il s'est rendu compte que j'étais agressé, que c'était moi la victime, et il a frappé un peu fort. Ça arrive. Hein. Je regarde mes deux autres compères et je leur fais passer je commence à tiquer que ce soit son frère. Donc à chaque fois qu'elle dit son frère, etc., je fais la moue. D'accord. À la limite, quoi. Non, mais je passe cette idée-là, au cas où. Et sinon, pourquoi la gare? Vous savez si la gare a été sur son chemin à un moment donné de ses œuvres humanitaires? Ou de là où il logeait la dernière fois, ou que vous le saviez? Il est mort là-bas. Il est mort là-bas? Mais on te l'a expliqué lors du... C'était une blague. Mon Dieu, à nouveau, j'ai eu des cassos. À nouveau. Je note dans mon calepin. Ah oui, tiens, effectivement. Ça fait tellement professionnel. Orpheus va adorer le compte-rendu de mission. Moi, mon calepin, il est raturé de partout, il est réécrit, c'est illisible. Là, c'est vrai que tu marques pas vraiment de points en posant cette question-là, parce qu'après, comment se dire, non mais vous travaillez vraiment pour Orpheus, parce que je leur ai donné toutes les informations, vous savez. Nous avons chacun nos spécialités, et Tonino intervient dans d'autres domaines d'intervention que sur les comptes rendus, là c'est plutôt moi-même et Mathias qui sommes là-dessus. Moi, je sors une carte de visite où il y a marqué Orpheus, hop. Non mais je sais quand même. Ah, d'accord. Vous savez, certains gens, c'est plus le cerveau, d'autres, c'est plus le muscle. Vous voyez c'est... Ah. Et vous n'allez pas me faire mal à mon frère. Parler de muscles, là, mais... Quand nous faisons des enquêtes, malheureusement, parfois, il y a aussi des dangers pour nous. Il nous faut toujours être protégés un minimum. Ah, comme les détectives privés, voilà, c'est pour protéger la demoiselle. Tout à fait. Ah, d'accord. Par contre, moi, ce sont des domaines complexes sur lesquels nous intervenons. Il faut tout type d'expertise. C'est d'ailleurs ce qui fait la qualité du service Orpheus, c'est que vous n'avez pas qu'un domaine d'expertise unique. C'est vrai que cette affaire est complexe. Je rature encore de lignes. Je pense à mon bonus de fin de mission pour contact avec le client. Bon, elle a l'air de se calmer un petit peu suite à tes propos. Il faut dire que tu sais manier le discours. Et donc, Mathias voulait poser une question. Est-ce que vous aviez, quand vous étiez petit, des surnoms? Des surnoms, on avait tous. Écoutez, que je me souvienne un petit peu, parce que ça remonte à loin. Mais ça pourrait être important pour le contact avec votre frère. Bah, c'est gênant. Hein. Après, je sais pas si il sera ravi de l'entendre à nouveau, mais son surnom quand il était jeune, moi c'est comme ça que je l'appelais. Mes amis aussi, hein, on l'appelait. Elle se penche un petit peu vers toi pour le dire dans ton oreille. On l'appelait Moumoute. D'accord. Se relève après un petit peu gêné. Non, mais surtout. Je crois qu'il l'aimait pas. Hein. N'essayez pas de l'appeler comme ça, ça pourrait peut-être l'énerver. Ben, au contraire, ça pourrait prouver que c'est bien lui. Merci pour ce renseignement. Pour prouver que c'est bien lui, tu vois qu'elle essaye de rebondir sur ça, elle fronce un petit peu les sourcils, mais si vous s'embrayez sur autre chose... Non. On ne sait pas en fait, et c'est pour ça qu'on vient vous voir. On pose un maximum de questions généralement aux clients pour savoir si nous donner des informations sur sa vie passée, des choses que vous êtes la seule à connaître et que lui est le seul aussi à connaître. Ça permet aussi de pouvoir
contacter plus facilement la personne. Ah, parce que vous avez des fantômes qui, des fois, mentent sur leur identité. Il est possible, oui, ça arrive. Ah, c'est étrange. Je n'aurais pas cru que ce genre de choses arrivait. Enfin, vous, c'est vous les experts. Hein. Vous avez déjà sans doute résolu des dizaines, que j'ai des centaines de cas de ce genre. Donc, je vous fais confiance. Oh oui, des milliers. On n'en est pas loin. Vous aviez parlé d'une odeur sentie. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez ou son parfum ou jasmin. Le nom de la marque Jasmin. Jasmin. Ça sentait. Bah écoutez, oui. Comme je vous disais, ça sentait le jasmin, mais le nom du parfum. Attendez que je fouille dans ma mémoire. C'est vrai que je n'ai pas retenu ça. Ah, c'était terrible, mais vous savez, je suis sûr que vous avez vu la pub à la télévision. C'était quelqu'un qui ouvrait des fenêtres, tout ça. Non ? C'est là que je reconnais les gens qui ne font pas de ma génération. C'était une pub. De Mel Musclé qui ouvre des fenêtres. Si, ça me dit quelque chose. C'était le parfum égoïste. Égoïste, ouais, c'est ça. Égoïste ! Égoïste ! Hein, je pensais à Erwick, moi. Ah, c'est ça. Ok. Donc oui, ah oui, égoïste, c'est vrai, c'était bizarre parce que ça ne correspondait pas du tout à sa personnalité, le nom. Enfin bref, voilà. Je pense que c'était ça, oui. Vous avez d'autres questions, peut-être ? En tout cas, moi, je suis prête à y répondre, hein, vous savez. Je regarde les garçons. Si ça peut vous aider. Oh, si on me laisse le temps de plus réfléchir, je pense que j'aurai d'autres questions. Il y a des jamarous, votre frère, c'est ça la question. Je vais me faire museler, moi. je prends mon appareil photo et je lui montre la photo de Nathan Sullivan. Nathan Sullivan, regarde. Ça vous dit quelque chose ? Non, pas du tout. Et je passe C'est un homme d'affaires ? Et je réponds pas. Et je passe à Tim Winter. Et lui ? Alors, bonne question. Elle le regarde intensément et fait « C'est drôle, sa tête me dit quelque chose, mais je ne saurais pas du tout dire où je l'ai vu par contre. » Elle ment, mais elle ment, c'est peut-être quelqu'un que j'ai croisé. Moi, je l'observe attentivement hein, pendant qu'elle fait ça. Voir si en fait réellement elle se souvient pas ou si elle se souvient. T'as vraiment l'impression effectivement qu'elle essaye de se souvenir de quelque chose. Ça se voit sur son visage, t'as pas besoin de faire de jet de dé pour ça. Ouais. Et d'après ce que t'as vu au départ, vu ton jet de dé précédent d'empathie, elle est pas du genre à dissimuler ses émotions, sinon elle l'aurait fait plus tôt. D'accord. Merci, donc, merci mademoiselle Maddox. Et puis je reprends mon appareil. De rien, si ça peut vous aider, moi c'est avec plaisir. Vous voulez un autre café ? Un thé peut-être cette fois ? Non merci. Ce sera bon. Donc, c'était bon, très, très bon votre café. Ok, bien. Je regarde mes compagnons pour savoir, savoir si c'est bon ou pas, ouais. Bon, bah, on vous tiendra au courant, mademoiselle Maddox. On va voir si notre ami invisible a fait quelque chose ou pas pendant ce temps-là. Mais... Oui, c'est ça. Tu fais quelque chose, Baralt ? Moi, pendant ce temps-là, j'ai oublié de te l'écrire, mais je voulais chercher des infos sur les deux. Sur les deux autres femmes, je crois. Tina X et. Alors, effectivement, je sais pas, les autres, Tina X, dont le pseudo est sur Tania... les deux autres femmes. C'est Tania X, effectivement, Tania et Miss Jet 37. Pseudo, normalement, si mes souvenirs sont bons, Miss Jet 37, c'est son pseudo. Ouais, c'est ça, c'est sous le pseudo de Miss Jet 37, Tania X a décrit comme un jeune homme ayant tenté de lui dérober son sac à main. Donc oui, c'est ça. Et j'en profite, à propos de souvenirs, dans ce que tu avais dit que Sullivan avait dit à Tim Winter, il s'agissait bien d'une photo compromettante. Ah, possible. C'est... Ah, mais j'ai peut-être dit ça, j'ai peut-être dit une connerie, je ne sais plus. En revoyant mes notes...
Donc, mais toujours avec... note de l'enregistrement. Ah, alors si ça vient de l'enregistrement, c'est que vrai. On a un enregistrement complet. Oui. Un enregistrement, c'est différent d'une photo. Mais ça peut être une photo aussi, c'est vrai. C'est un enregistrement compromettant pour le MJ qui dit photo compromettant. Oui, mais il est bien connu que le MJ est complètement con et que des fois il dit des conneries. Donc, on peut changer complètement la balance de l'univers d'un claquement de doigts. C'est... Exactement. S'il y avait que le meneur de jeu. Ok. Alors, mon très cher Baralt, de ton côté, oui. En prenant possession du téléphone, donc relié au fameux 4G, tu essayes de faire des recherches. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, tu cherches des informations sur Tania X. Bah, tu vas me faire un petit jet d'informatique très cher avec l'intelligence, tout simplement. Et tu cherchais, tu m'avais dit que tu cherchais une deuxième fille, c'est ça ? C'est qui la deuxième fille que tu cherchais ? Non, mais c'est ça, c'est la même. C'était pour Tania. Emily Jenner, que tu... Comment ? Je crois que tu cherchais aussi Emily Jenner. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que j'ai noté son nom et je me suis dit que ça pourrait être bien. Ok, pas de souci. Bah, tu me fais ton petit jet et on voit ce que tu trouves. Alors, informatique et intelligent. Alors, ça fait 3 réussites. C'est pas mal. Alors, on va commencer par cette fameuse Tania X. Eh bien, tu trouves notamment son compte Facebook et aussi son compte, son profil LinkedIn. Ce qui fait que tu découvres où elle travaille actuellement. C'est en fait dans un cabinet en fait d'assurance où elle fait partie tout simplement des téléconseillers qui sont là pour s'occuper des clients ayant des sinistres à déclarer. Au niveau de son compte Facebook, tu peux voir que ça a l'air d'être une sacrée fêtarde. C'est une femme visiblement métisse qui porte souvent des habits assez moulants et surtout qui cache assez peu de choses aussi. Et qu'est-ce que tu trouves d'autre dessus ? Ouais. Clairement, ça a l'air d'être une partisane de la NRA, parce que tu la vois souvent en photo avec des flingues en main. Quand je dis type de flingue, c'est à la fois des pistolets, des revolvers, mais aussi des M16 et des tas d'autres choses. Elle a l'air d'aller souvent sur des champs de tir. NRA, c'est la nationale. Ceux qui sont pour armes à feu, tout à fait. Je ne sais plus pourquoi les Américains. Les Américains. Voilà. Une partie des Américains, oui. Deuxième amendement. La petite copine, c'est ça qui était comme ça ? C'est ça. Non, c'est Tania X. Ah, c'est une autre de. Tania XX, oui. Ouais. Et j'ai noté la copine aussi. Ok. Alors. Pour Emily Jenner, tu trouves également autre chose. Visiblement, elle est encore en plein dans ses études. Elle est en cinquième année, ce qui laisse présager qu'elle va sans doute peut-être essayer de préparer quelque chose d'un petit peu plus médical, peut-être, à savoir. Et elle a aussi un compte Facebook sur lequel l'information la plus importante que tu peux voir, c'est qu'apparemment, c'est marqué sur son statut qu'elle est en couple avec un certain Neil. Est-ce que j'ai son nom quelque part ? Sam. Attendez deux petites secondes. Non, il y a juste son prénom, Neil. On va dire Callahan. Neil Callahan. Armstrong, c'était bien aussi, hein, c'était facile à retenir. Donc, voilà. Ce sont les informations que tu trouves pendant cette conversation. Tu pourras donc être libre d'informer tes camarades par la suite. Quant aux autres, vous quittez donc l'appartement, si j'ai bien compris ?
On a fait un peu le tour, je crois, hein, de toutes les questions qu'on pouvait poser, enfin pour ma part. Alors, en reposant la tasse, tu avais parlé de documents sur la table, tout noté. Hein. Je jette un petit coup d'œil sur les documents. Alors, ça a l'air d'être à la fois des documents visiblement traitant de mathématiques appliquées, et d'un autre côté, il y a pas mal de choses qui touchent, eh bien, à la vie après la mort, comme je disais, et à l'occultisme un petit peu. C'est surtout effectivement des témoignages de personnes qui auraient dit, déclarent avoir vu le fantôme de leur époux, fils, fille, je ne sais quoi, compagnon animal, bref, ce genre de choses. Elle est à fond dedans, clairement. Donc, vous quittez l'appartement, vous avez autre chose. Après, vous pouvez essayer de l'assommer si vous la trouvez trop chiante, mais bon, je ne sais pas si Orpheus sera content que vous assommiez la cliente. Il faudra qu'on voit pour s'organiser sur comment on va à la gare, qu'on arrête de reporter quand même, d'aller voir ce qui se passe. Alors, déjà, ce qui se passe quand vous sortez, c'est que Tonino, ton téléphone sonne. Tu regardes le numéro. Je montre aux autres que c'est mon téléphone qui sonne. Ouais, bon, ok. D'accord. Est-ce que tu peux répondre? Oui, j'ai... Et je réponds. Tonino. Oui, c'est moi. Franchement, ça fait déjà 3 appels aujourd'hui. Des gens vont se poser des questions. Qui ça? Je sais pas, ta mère peut-être. Ça tourne beaucoup autour de nos mères, apparemment, cette histoire. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais enfin bref, j'ai les informations. Numéro de téléphone. Donc, il te les dicte, tout simplement. Tu as le temps de les noter, hein, parce qu'il le dit lentement. Il sait que des fois, ton cerveau ne va pas rapidement. Et bah, bref, tu as très rapidement. De... Pas dans le bon endroit, mais... Si tu veux noter dans un ordre différent, si tu veux, moi ça me va. Il y a un 6 dedans, hein, t'as dit. Ouais. Il y en a même plus d'un, parce que c'était 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ah, c'est pour ça que le 6 me disait quelque chose. Bon sang, j'aurais peut-être songé à trouver un autre témoin, moi. Et donc, t'as le nom, justement, de la personne qui l'avait... défendu ? Oh ouais, une espèce de tocard, un petit trader à la con. Qui s'appelle Jonathan Galloway. Tu t'es accusé de quoi, tu sais ? Oui, ben, comme je te dis, c'est un petit tocard. Hein. Non, mais tu sais comment ils sont, ces gars-là. Hein. Ils se prennent pour les rois du monde. D'après ce qui est marqué, il avait un petit peu trop bu et il a laissé un petit peu ben, ses mains se balader un petit peu trop au niveau de la fille avec qui ben, il a essayé de lui offrir un verre et qu'elle a dit non. Donc, ben, évidemment, ça s'est pas bien terminé pour lui. Ok. Fais gaffe, c'est le genre de choses qui pourraient t'arriver aussi. Alors, trop bu ? Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je fréquente des gens qui boivent un peu beaucoup. Et là, je sors ma flasque et je prends un petit coup, juste devant lui. Et alors, tu peux même faire un gros clin d'œil. Non, mais je fais un gros clin d'œil. Ouais, je te fais un gros clin d'œil et aussi à Méline, parce que je pense que c'est bon aussi. Quoi. Pourquoi Méline? Méline se regarde et se dit, mais il traite d'alcoolique. Il semblerait, oui. Tu l'as jamais vu boire, Méline. Méline, elle n'abuse pas. Hein. Non, mais la drogue, c'est moche, Méline, tu le sais. Non, mais elle se drogue à elle-même. À l'adrénaline. Elle se tous les matins dans. J'ai pas besoin de boire, moi, je me trouve déjà parfaite. Je n'ai pas besoin d'oublier mon existence. Ok. Bon, ben, bah, merci, ça sera tout. T'es mon flic préféré, Ouais.
C'est bien gentil, les mamours et les accolades, mais sache que je tends autre chose. Ouais, je te dis, on est sur quelque chose et je pense que tu seras content de l'avoir. Du moment que ça concerne ta famille, ça marche. Et il raccroche. J'en profite, puisque tout le monde est au téléphone, là, j'ai essayé de contacter... je prends mon téléphone, je recherche... Tout le monde au téléphone, t'as Méline qui te regarde, qui est là, mais je suis pas au téléphone, moi. et c'est quoi, là, les selfies que t'es en train de te faire, là? C'est pas être au téléphone, c'est alimenter mon compte social. C'est bien sûr. C'est faire sa promotion, c'est capital. Il est sur son téléphone, partout sur son téléphone. C'est ça. alors moi j'ai deux contacts. Premier contact c'est une journaliste, la deuxième c'est un hacker. La première c'est donc une journaliste qui travaillait avec moi. Ok. Qui s'appelle Rebecca Hadford et j'essaie effectivement de la contacter pour qu'elle essaye de me donner des informations au sujet du cabinet d'avocats McLaren et Sullivan. Enfin, Sullivan et McLaren. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. Hein. Pour essayer de voir s'il n'y a pas eu des articles dans la presse, choses comme ça, avant que je commence à faire des recherches aussi de mon côté sur ordinateur, pour voir s'il n'y a pas des faits divers en rapport avec le cabinet d'avocats. Ok, il n'y a pas de souci. J'imagine que si tu l'appelles, c'est parce qu'elle a elle s'occupe surtout de l'actualité juridique, je pense, c'est de son journal. C'est ça. Comme ça, c'est ça. Peut-être une chance de te répondre un petit peu plus tôt, parce que sinon elle te dirait, tu sais, tu as une chose qui s'appelle Internet. Ouais, c'est tu ça. Tu tapes des choses dessus et tu trouves. Google est ton ami, tout ça, tout ça. Donc, quand tu l'appelles, elle fait « Ah, Mathias, ben, ça fait longtemps. Ah, Sullivan et McLaren. C'est un nom qu'on n'entend pas souvent, mais que oui, j'ai déjà entendu plusieurs fois, ouais. Ben, ils s'occupent généralement d'affaires qui n'ont pas un grand prix médiatique, parce que, justement, les personnes qui sont impliquées ne veulent pas qu'il y en ait. » Et qu'il y a généralement pas mal de pots de vin qui sont donnés à des journaux, des éditorialistes, pour qu'ils enterrent un petit peu le sujet. Ouais. Et donc, Sullivan et McLaren, ils s'occupent des scandales qui touchent généralement les rejetons de grandes familles. Genre, tu savais que la fille... on va dire un nom à la con, je ne sais pas, que la fille Williams, eh bien, elle a eu un accident de voiture. Mmh. Il y a peu. Elle est sortie de l'hôpital pour ça. Ce que c'est un petit peu moins, c'est qu'il y a eu une victime collatérale. Elle a fauché quelqu'un. Et ça, il n'y a pas dans tous les journaux. Nous, on le sait, mais on nous a clairement dit qu'il fallait plutôt faire passer une image positive de la jeunesse, etc. Et donc c'est quelque chose qu'on a mis sous le tiroir. Bon, on sait très bien pourquoi, parce que quelqu'un a mis suffisamment de pognon sur la table pour que l'histoire ne paraisse pas. Et c'est généralement ce genre de choses, effectivement, ce genre d'affaires que Sullivan et McLaren traitent au tribunal, généralement à grands coups d'accords qui se passent en dehors des tribunaux, justement. D'accord. Est-ce que tu aurais entendu parler dans leur cabinet d'avocat d'un... Alors, ça va te paraître un peu bizarre, mais de meute. Meute. Ouais, un terme comme ça qui reviendrait... Comme une meute de loups, ouais, ou de lion, mais une meute. Le terme a été évoqué dans la bouche d'un de leurs avocats. Alors là, ça ne me dit rien du tout, surtout associé à ce genre de choses, hein, okay. Ce cabinet, quoi. Après une meute, tu sais qu'il y a par exemple la meute de Harlem, qui est un gang, qui trafique de la drogue et ce genre de choses. Bon, après, ça ne me dit trop rien. Hein. Après, alors, je crois pas que un film qui s'appelle comme ça, la meute, danse avec la meute. Ah non, c'était danse avec les loups, ouais. Donc, okay. Ça ne me dit rien trop. D'accord. J'aurais peut-être un article pour toi à ce moment-là.
ça pourra peut-être t'intéresser, parce que je suis sur une affaire là où on parle effectivement de cabinet d'avocat, de rencontres, de meutes, de peut-être de tentatives de viol, etc. Donc en rapport avec le cabinet suivi Van McLaren. Donc si j'ai des infos, je te file tout ça. Écoute, ce que tu me dis là, ça va être un petit peu du lourd, effectivement. Et de toute façon, c'est bien que mes infos ne sont pas gratuites. Donc, ouais, je serais tout à fait ravi d'accepter un paiement de ce genre. De mon côté, je vais creuser un petit peu, si j'ai le temps, par contre. Ah, ce sera avec grand plaisir, BK. Ah bah, Mathias... Et je te dois toujours un dîner, au fait. Oui, qu'est-ce que tu entends par dîner, exactement? Ben, d'ailleurs, comme d'habitude, quoi, un hot dog. J'ai quatre derrière. Ouais, le hot dog, c'est-à-dire que j'arrive avec mon mec et tu nous offres des hot dogs à deux, c'est ça? Oui, bah si tu veux, tu m'invites. T'as qu'à l'inviter. Non, mais je suis sérieux. Tu vois qu'elle avait un petit peu peur de dire ah non, c'est parce que je vais avoir ton. Non, je suis pas en mode séduction. Je suis pas en mode séduction. Non, mais comme je suis devant un resto, autant que tu viennes avec ton ami, et puis comme ça, ça nous permettra de refaire le monde, ouais. Et de discuter un petit peu du passé. Ah ben, j'ai cru comprendre que tu avais choisi un nouveau départ professionnel assez intrigant. Donc oui, j'aimerais beaucoup que tu m'en parles. T'en profiter pour faire ça. Oui. Ouais, ok, pas de souci, hein, Bika. Bah, à très bientôt. Ok, des bisous. Et elle raccroche. Ok, donc vous avez les numéros de téléphone hein, de fameux avocats, visiblement sans doute leur numéro professionnel de portable. Ils ont son nom peut-être un deuxième personnel. Et vous avez donc toutes ces informations. La question maintenant étant de savoir ce que vous allez en faire. Mais pour l'instant, est-ce que vous ne vouliez pas qu'on aille à Orpheus pour aller vers la gare hein, et on essaie de voir après hein. Alors, en fait, moi, la procrastination d'aller sur la gare, c'était plutôt que je me dis, il faudra peut-être que j'y aille sous une autre forme. Ouais. Mais sinon, ouais, on peut toujours y aller. Ouais. Et donc, c'est ça que tu entendais par aller à Orpheus avant d'aller sur la gare. Bah oui, pour que je serais pour. Il y a 4 heures d'attente. Hein. Pendant ce temps-là, on peut lancer. Sur le chemin, j'envoie un SMS à mon contact à côté Pègre. J'envoie à Billy la meute. C'est un gang ? Ça te dit quelque chose ? Deux questions. C'est un gang ? Ça te parle ? Eh ben, il va faire un petit jet pour savoir si ça lui parle. La meute. Peut-être le diminutif de la meute de Brooklyn, ouais. Petite frappe. Il dit il a un petit peu de coke, puis de ce nouveau truc, là, le pigment. Mais bon, franchement, c'était tocard. Le pigment. T'as pas entendu parler ? C'est super tendance en ce moment. C'est un truc bah, qui se trouve. Ça peut être quelque chose à sniffer, ça peut être des pastilles, ça peut être à s'injecter. Après, effet bizarroïde, hein, mais c'est plutôt cool. Et par contre, ça se vend pas cher. C'est pas comme ça qu'on gagne. C'est pas comme ça qu'on va se faire des couilles en or. Et tu dis qu'ils zonent dans Brooklyn ou c'est juste leur nom? C'est le nom, c'est la meute de Brooklyn. Voilà. Ah, moi j'ai mis la meute de Harlem. Brooklyn. T'es pire que moi. La fatigue, putain. C'est peut-être moi qui me suis trompé. J'ai peut-être dit la meute de Harlem. T'avais dit Harlem. Non, t'as dit Brooklyn. T'avais dit Harlem, ouais. Et après t'as dit Brooklyn. Ah, je vais. Attends, c'est pas moi. Parce que je me suis dit, oh merde. Le MJ est fatigué, laissez-le tranquille. Ah là là, je me suis dit, oula, Rupert, va enquêter, il y a deux meutes, ça va être trop. Écoutez, là, vous sortez des sentiers battus, le MJ, il invente des trucs pour faire plaisir, et voilà que vous vous pinaillez. Franchement, ouais. C'est honteux. Alors, oui, donc c'est la meute de Harlem. Voilà, vu que c'était dit ce qu'il dit en.
Quand tu poses la question, quand tu peux raturer son. Ah oui, la meute de Harlem, t'as raison. Bah, tu sais, Harlem, Brooklyn, pour moi, c'est la même chose. Les territoires de rapiens. Hein. Franchement, c'est pas là-bas qu'on va se faire des couilles en or. C'est son expression favorite, hein, tu le sais. Il sort à chaque fois, c'est pas comme ça qu'on va se faire des couilles en or. Même quand il y a moyen de se les faire. C'est clair, Rousseau, c'est clair. Ok, je te remercie, un de ces quatre. Ouais, ben. N'hésite pas, hein. Moi j'ai quelques petits boulots là qui pourraient être intéressants. Ouais, on en reparle. Non, on en reparle. Ouais, on en reparle, fait-il. Sans doute, on s'entend sans doute très bien dans ton ton que ben vous en reparlerez pas. Ok. Donc. As usual. Le pigment, Méline, ça te parle, toi, dans tes soirées, hein? Pareil que c'est tendance. Ça parle à Mathias, je pense. Pareil qu'il en a consommé un jour. Après, moi, j'en ai pas. C'était toute la dernière partie, là. Ah, c'était la dernière partie. Ah, putain, oui. Ouais. J'en avais pris, ouais. Ça parle aussi, alors. Ouais. Du coup, ça parle aussi à Méline. Tout à fait, ouais. Il avait l'air bien, Mathias. Ah, c'est vrai. C'était pas mal, d'ailleurs, ouais. Ouais. J'avais oublié ce détail. Je savais pas. Ça doit être le pigment. Ça m'a dû zapper le truc, quoi. Ouais. Alors, tu en parles, en fait, Tonino, du. Ah oui, carrément, comme ouais. Ça, en disant, mais je lance ça à Méline parce que je pensais que c'était plus. Oui, avoir entendu. Ah, c'est pas mauvais. Et c'est surtout qu'il y a des effets bizarres, quoi. Il semblerait que, sous l'effet du pigment, Mathias. Il avait pu voir les compagnons fantômes qui étaient avec vous, quoi. Directement, sans qu'ils se manifestent. Ça développe apparemment les capacités les sensibilités au surnaturel. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ce serait pas mal qu'on puisse en procurer un peu. Dit-il, avec en faisant mine de rien. Là, mon contact, Billy Rousseau, dit que la meute de Harlem... comment dire en. C'est Brooklyn ou c'est Harlem? Moi j'ai noté Brooklyn sur le. Harlem! Harlem! Oh putain, merde! Le pigment est pas cher. Ouais, ça c'est pas cher effectivement. Il paraît que c'est parce qu'il y a un petit peu moins d'effet que d'autres drogues, mais que comme ça tu peux en consommer plus, quoi, et plus souvent. Puis c'est plus cool, puis c'est pas cher. Voilà. Ouais, et surtout c'est parce que ça fait. Ça fait peut-être rien à d'autres personnes, mais à certains. Certains qui ont quelques pouvoirs, ça les fait un petit peu développer, donc... Lui, ça avait pas bien. Ah. Là-dessus, d'ailleurs, mais pas essayé d'avoir un peu... On t'entend de loin, Lynch. Ah. Orpheus avait pas tenté un peu d'avoir la même mise là-dessus votre dernière mission, c'était ça, c'était... le scénario s'était terminé, alors que vous aviez été chercher la caisse pour Orpheus. Ouais, c'est ça, je me souviens, ouais. Donc il y a même des chances qu'on puisse en obtenir là-bas, hein, gratos, hein. Ouais, en plus, ouais. Alors, du coup, c'est même pas la peine que tu fasses appel. Vous avez demandé à Orpheus de vous fournir une drogue, alors que tout ce qu'elle voulait, Orpheus, c'était pouvoir créer quelque chose pour lutter contre la dépendance, contre ce genre de produit. Mais vous êtes fou. On sait bien que c'était pas du tout pour booster ses agents. Enfin, voyons. Ça ressemblerait pas à Orpheus. Ben non, voyons. Non, pas du tout. C'est une entreprise tellement charmante qui veut le bien de tout le monde, y compris de ses concurrents et de ses employés. Donc du coup on retourne à Orpheus pour qu'on cryogène en face de la cryogénisation, c'est ça? Y a pas de souci. Et du coup après on ça part se à passe la au troisième tout sous-sol, très cher. Hein. Tu connais bien. Quand tu arrives dans la fameuse salle, hein, tu vois qu'ils sont justement en train de sortir des fameux berceaux, comme on appelle ça, quelqu'un que tu connais, un homme qui s'appelle Tom Hayes. Il te fait un petit signe aussi. Hein. C'est un Afro-Américain qui est plutôt du type colosse hein, au niveau de sa stature. Hein. Et tu sais que il est atteint d'un cancer et que c'est un petit peu pour ça que il est aussi en cryogénisation pour des missions de longue durée pour éviter que son cancer ne progresse trop vite. Et en tant que dormeur, vous savez très bien que vous avez toujours un petit peu le risque de ne jamais pouvoir retrouver votre corps. Hein. C'est jamais arrivé, soi-disant. Mais vous éprouvez tous un petit peu la même crainte, ce qui fait que
C'est un regard lourd de sens qui s'échange entre vous, entre deux vétérans qui savent que peut-être, eh bien, la prochaine bataille sera la dernière. Ouais, c'est le coup de poing sur le cœur, respect, bro. Ouais. Après, c'est le coup de boule des nains aussi qui se frotte, comme dans le Seigneur des Anneaux. Et donc, de ton côté, ben, toi, tu arrives au niveau du vestiaire, tu te changes, tu mets une combinaison moulante sur laquelle on pourra mettre les électrodes qui relieront donc ton corps à la machine pour vérifier tes constantes, même quand tu es cryogénisé. Et bien après, ben, c'est parti, hein. On te fixe, enfin quand tu rentres dans le berceau, on te fixe également des intraveineuses au niveau de tes bras droit et gauche, parce que tu sais que pour éviter qu'il y ait une nécrose de ton corps alors que tu es sous cryogénisation, il faut remplacer en fait ton sang par un autre liquide. Vous appelez ça, vous autres les dormeurs, le liquide d'embaumement. Mais bon, il paraît que c'est pas ça. Et tu finis par perdre conscience alors que le froid commence à s'insinuer dans le berceau qui a été refermé. Et ben tu t'éveilles eh bien un petit peu plus tard, notamment 4 heures plus tard, juste en dehors de ton berceau. Tu viens de sortir de ton corps. Les autres, pendant ce temps-là, est-ce que vous avez fait quelque chose ? Par des claquettes, je précise. Moi, je me serais reposé, en fait. Il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que normalement, tu n'as rien à couper. Je pense que tu avais perdu ni point de santé, ni point de vitalité. Non, mais c'est juste pour mettre en condition au cas où j'aurais besoin de passer rapidement, de glisser rapidement, en fait. Donc, je me repose. Tu peux te prendre un petit bédo également, si tu le souhaites. Non, ça va. Non. Je considère que tu sais où en trouver. Ouais, non, mais non. Ok. Ça a été repos, non. Réponse à mes followers, mise à jour de mes clics. Repos, quoi. Ok. Je crois qu'on n'avait pas bouffé, donc j'imagine que vous bouffez aussi. Oui. Non, mais vous inquiétez pas, je vais pas vous arriver dans 4 séances. Ok, ça fait quoi ? Vous avez faim, vous m'avez dit que vous mangez pas ? Voilà, vous êtes mort de faim, c'est dommage. Par décence, on est mort, on est plus trop parler de bouffe, quoi, mais c'est par décence. Rupert qui est grognon. De ton côté, Rupert, que fais-tu ? Je vais reposer mon personnage, car il avait quand même utilisé des points avant. Alors, la vitalité, malheureusement, ça se reprend par tranche de 8 heures de repos. On peut prendre 8 heures hein, si t'en as besoin. On peut prendre 8 heures. Hein. Enfin, on n'est pas. Oui, oui. Ça va. J'ai que... On n'est pas à 4 heures de plus près. Hein. Je suis à 5 sur 7, ça va. Non, mais prenons 8 heures, que tu sois quand même au maximum de tes capacités, on ne sait jamais. Non, le maximum. Non, là, ce sera 16 heures. Là. Prenons 16 heures. On n'est pas une demi. On peut passer. On est en milieu d'après-midi, donc. Vous êtes sûr ? Et peut partir que le matin. Faites comme vous voulez. Rappelez-vous tout de même que Kowalski vous a dit que ce serait bien pour votre avenir que vous réussissiez à faire cette mission en un jour ou deux, quoi, pas plus. Oui. Non mais allons-y, c'est pas grave. Ça va être. Faites comme vous voulez. Hein. La rigueur, ce n'est que votre avenir. Pour vous, c'est du one shot, mais pour vos personnages, ben voilà. C'est leur avenir. Même si elle met 12 heures de plus, c'est pas bien grave, tu sais. Mais bon, il y en a certains parmi nous qui doutent plus, alors bon. Ok. Donc, si effectivement vous que votre très cher ami Tonino sorte de son corps et se manifeste juste à côté de vous en faisant un coucou, vous attendez donc jusqu'à 18 heures. Ce qui fait que, bien, c'est peut-être parfait pour vous, hein, après tout. Quand vous arriverez à la station Saint-Emilion, peut-être que ce sera directement en pleine effervescence, hein, l'heure de pointe. Ce qui est réfléchir sera peut-être un petit peu plus chiant pour vous pour repérer le fantôme, s'il y en a. Ah mais ça va être drôle du coup si Tonino il voit mon personnage.
Mais Tonino, il voit ton personnage clairement maintenant. Ah, ça va être drôle. Tout comme tu vois. Tu te rappelles les formations du spectre. Oui, c'est pas très normal à voir. Ouais. C'est pas très beau, on va dire. Ok, on a quelqu'un qui a perdu son casque. Peut-être une bourrasque devant, ou peut-être. je ne sais pas. Le fil qui a coupé. Ou alors le casque, c'était un mimique. Je ne sais pas. Et donc il a sorti l'écrou, tout ça, et donc ça fait très mal. Ah ben. Ouais, j'ai plus de casque. Tu ne l'as plus, toujours, donc ok. Alors, le temps que revienne Mathis, vous allez donc sans doute vous diriger vers la gare, à moins que vous ayez quelques petites choses à faire juste avant. C'est à vous de voir, parce que je rappelle que pour l'instant, vous avez les numéros de téléphone, on n'avait rien. Oui, on ne voulait pas les mettre sur écoute, là. On n'avait pas dit qu'on essayait de faire jouer ton contact, là, pour les pirater un peu les téléphones. Oui, c'était pour ça, oui. Enfin, les mettre sur écoute, ou au moins les localiser, tu vois, un truc comme ça. Alors, les localiser, ce sera sans doute beaucoup plus facile que les mettre sur écoute. Parce que, dans la réalité, hein, ce n'est pas Monsieur Finch hein, qui appuie sur un bouton et tout de suite... Ouais, alors désolé, j'ai plus de casque, je suis obligé de me mettre en haut-parleur ambiant, donc désolé pour le retour que vous... Je vais couper mon micro au fur et à mesure que je parle, hein. Sinon ça va être galère. Donc j'ai pas suivi la conversation, désolé, parce que j'entendais plus rien. Ah, moi j'ai un contact. Moi j'ai un contact de hack. Il se fait appeler John Doe. Ah, sûrement. Donc je peux le contacter, ça va prendre un peu de temps parce que c'est quand même difficile de le joindre. Mais je peux effectivement le contacter. Et c'est pourquoi pour le hack? Ce sera une difficulté 9. Hein. C'est pour ça, essayer déjà faire au moins le trachage GPS, qu'on ait au moins un truc de clonage. Ouais. Et après, ouais. Dans ce deuxième temps, tu peux essayer le clonage, mais c'est au moins le trachage GPS. D'accord. Oh, c'est astuce informatique, c'est ça? Oui, exactement. Et là, ce sera plutôt simple, hein, difficulté 6. Bah, une réussite. Bah, t'es un très mauvais hacker. Ouais, c'est les dés, hein, c'est pas de ma faute. Alors, oui. J'ai fait 4-2. T'as du mal à craquer le truc, mais en fait, c'est que t'es pas con. Tu sais, tu vas sur le site oui. Pour les parents où ils peuvent effectivement repérer où se trouve le téléphone de leur enfant par GPS. Ben, tu vas sur ça et ben, tu t'expliques que tu as deux enfants qui s'appellent donc Nathan Sullivan et...
et Ethan McLaren. Et donc, en faisant quelques petites trifouilles, effectivement, d'informatique sur Internet, tu permets, effectivement, t'arrives à les classer comme étant tes enfants, quoi, et, que tu peux surveiller via le site. Quoi, vous rigolez? C'est quoi la Alors... connerie? C'est le hacking. C'est que c'est un cœur du pauvre, en fait, tout simplement. Il a réussi le truc, mais il a fait tout comme l'a. Comme l'a Bref. Et après, quand t'arrives vers tes camarades, tu fais. Quand t'arrives effectivement vers tes camarades, tu fais ouais, ouais, c'est bon, je les ai hackés. Je suis leur papa, du coup. Alors, clairement, tu penses que s'il y a des vérifications, par contre, ça tiendra pas à ton truc. Ce sera désactivé. Écoute, hein, pour... techniquement, j'aurais l'âge pour être leur grand-père, donc ça peut fonctionner. Hein. C'est pas faux, t'avais dit que ton personnage était assez vieux. Bah ouais. Mais il est mort récemment, par contre. Ah oui, mais alors là, c'est un autre sujet. Ce qui fait que après cela, si vous le souhaitez, vous pouvez donc partir à la grande aventure au niveau de Saint-Emilion Station, qui est donc une gare, j'ai envie de dire. Ah, c'est pas le grand luxe, clairement. Vous y allez en voiture ou vous faites autre chose? Après tout, vous pouvez décider de faire autre chose lundi moment. Bon, j'en connais qui voudraient faire la tournée des bars, je pense. Non, on va y aller en voiture. Ouais, on va y aller en voiture. Je conduis, vu que Mathias est déjà dépassé la limite depuis longtemps. Mais non, il a dit qu'il se reposait. Il a dit qu'il se reposait, il se repose pas avec une bouteille de tequila dans la bouche. Il a bu toute la journée, tu sais, c'est comme si 4 heures de sommeil. Pour qui me prends-tu? Je suis pas alcoolique, hein. Non, pas du tout. Pas saoul. Ok. Donc oui, tu es plutôt du genre à être habitué à avoir des chauffeurs, hein, Méline. Nécessité fait loi, tu conduiras. Ben oui, parce que je crois que quand tu écris au Niger, enfin quand tu vas dans ton caisson, toi, t'es plus sous forme physique, c'est ça? Exactement. Mathias. D'accord. Ah ouais. Ah c'est. Après, il peut dépenser des points de vitalité pour être visible et tangible. Mais bon, allez-vous gâcher de la vitalité pour ça? Je ne pense pas. Ce qui fait que vous vous rendez donc à cette fameuse gare dont je vais vous fournir le petit plan qui a été dessiné par mes soins et qui est donc complètement dégueulasse. Vous êtes prévenus. Alors, Saint-Emilion Station. Vous arrivez effectivement. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un bâtiment qui a été construit à l'époque où on faisait énormément de bâtiments de style victorien, et que ça se ressent encore sur son architecture, même s'il y a eu bien une période où la gare a été complètement rénovée, donc c'était à peu près il y a 20 ans, et on a essayé d'en faire quelque chose un peu plus moderne, ce qui fait que l'architecture victorienne a été complètement bouleversée par endroits, et que vous avez l'impression d'avoir devant une espèce de monstre assez étrange, comme si effectivement une gare victorienne avait forniqué avec l'Enterprise. Et le résultat est assez dégueulasse. Okay. Il semblerait que oui, que les gens sont assez remontés comme ça, parce que vous avez entendu parler de nombreuses pétitions visant à refaire la gare telle qu'elle était autrefois. Et que après, les autres bâtiments du même genre qui ont été rénovés, bizarrement, on les a conservés tels qu'ils étaient tels qu'ils étaient à l'origine, quoi. On n'a pas cherché à innover. C'est bizarre, hein. Alors, euh...
Où j'en étais. Alors, oui, donc devant vous, ben, il y a effectivement une entrée principale qui est donc constituée de deux lourdes portes dans lesquelles il y a effectivement plusieurs petites vitres triangulaires qui vous permettent de voir l'intérieur. La plupart des murs qui sont autour de ces portes sont plutôt carrément opaques, hein, même si certains sont plutôt bien tagués. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vraiment voir ce qui se trouve à l'intérieur de la station. À part effectivement simplement regarder à travers de la... vous savez qu'il y a aussi un terminal de bus juste à côté, qui sur la carte est donc le numéro 10. Ce sont des bus qui mènent à la fois dans la ville, mais aussi des bus qui permettent d'aller quand même... Ben, assez loin, hein. On parle de pouvoir aller jusqu'à Providence avec une des lignes. Donc, ce sont clairement les fameux bus des États-Unis qui emmènent des gens très très loin. J'imagine entrer. Et vous arrivez donc au numéro 2, qui est donc un hall d'entrée, qui est la salle principale de la gare. Qui lui aussi il a énormément de subi de modifications dans un style qui se voulait à l'époque très moderne, mais c'était il y a 20 ans. Maintenant, c'est plutôt ringard. Ce qui vous interpelle tout de suite, c'est que la gare est peu entretenue. Vous voyez qu'il y a de nombreux murs qui sont couverts de graffitis, et quand il n'y en a pas, c'est la peinture qui commence à s'écailler. Ce qui fait que, vous avez vraiment l'impression de vous trouver dans une gare de banlieue, mais de banlieue complètement en zone de guerre. Il y a au centre de nombreux sièges usés, juste en dessous un immense panneau indiquant les horaires des trains s'arrêtant à la station. Autour de ces sièges, vous énormément de distributeurs automatiques de billets et des distributeurs aussi de nourriture plus standard. Si vous voulez des raiders, ah non, c'est plus comme ça que ça existe, ça s'appelle des Twix maintenant. Si vous voulez des Twix, vous en trouverez peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, pour l'instant, il est à peu près 19h, vous pouvez voir qu'il y a quand même un certain monde au niveau de la gare. Vous pensez qu'il y a à peu près quand même une cinquantaine de personnes qui sont présentes, à la fois assis sur des sièges, en essayant de tirer leur ticket au niveau de la borne informatique, tout comme il y en a effectivement au niveau de... Ça doit être sur votre gauche, là, au niveau en fait des guichets où il y en a qu'un seul d'ouvert, qui est tenu par une charmante dame, qui pour l'instant est en train de subir les assauts verbales d'un client, déclarant « Non mais c'était pas possible, je devais déjà être remboursé la semaine dernière, et là vous me dites que il vous manque encore une photocopie de ma pièce d'identité. Mais madame, vous vous foutez de ma gueule ?» Non, monsieur, c'est la procédure, c'est juste que la photocopie que vous avez fournie la dernière fois, votre photo était mal imprimée, ce qui fait qu'on ne vous reconnaissait pas. Non, mais c'est un scandale, ce que vous me dites. Bon, bref, ce genre de petites choses, de petites scénettes que vous pouvez voir là à présent. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un café Starbucks à l'intérieur de la gare, qui est donc le numéro 3. Et que tout ce qui a l'air d'être administratif au niveau de la gare, ça a l'air de se bouche. Donc là où il y a les guichets, le 6, le 8, le 7 et le 9. Vous y êtes. Le numéro complémentaire et le 22. Ah non, merde, c'est pas ça. Ah oui, écoute, pour l'instant je ne le vois pas, mais il y a un 12. Alors, au niveau de nos très chers esprits, pour l'instant, physique, que vous êtes en dehors de votre corps, et pour l'instant, vous n'avez pas l'air de voir d'entité fantomatique. D'accord. Vous êtes donc tous présents, pour l'instant, vous êtes au niveau 1. Donc, c'est à vous de me dire ce que vous faites maintenant. Mais on doit avoir la description des endroits. C'est à peu près toujours au même endroit qu'il y a les agressions ou pas? Alors, vous n'aviez pas posé la question à l'époque, mais... Dans le rapport, ils disent voie 4. Quand même... Voilà.
Vous avez effectivement différentes choses. Donc effectivement, la voix 4, je crois que c'était celui où notre très cher camarade, qui s'appelait Sharp Maddox, est décédé. Et quant aux différentes agressions, que vous, donc vous avez un petit peu posé la question, je pense, bien, ça dépend. Des fois, c'est au niveau des voies ferrées. D'autre part, c'est directement dans le... D'autres fois, c'est directement dans le hall d'entrée. Et on parle même d'agressions qui ont eu lieu au Starbucks ou dans les toilettes de la gare. Je sais pas, vous voulez commencer par où ? On a qu'à aller à un des endroits où on pense qu'il peut se trouver et voir si on détecte. Ouais. Ceux d'entre nous qui voient l'invisible, ils peuvent nous dire. Oui, normalement, vous, à moins que l'entité cherche à se voir directement Tony Peart. J'ai pas entendu. Coupé, ce que t'as dit. Très très coupé ce que tu dis. Ah. Et est-ce que ça va mieux là, quand je parle là ? Oui. D'accord, donc je vais parler plus fort. Alors, je disais que oui, une voix. J'ai coupé. Peart. J'ai coupé. J'ai coupé. Bon. Je vais essayer de changer de serveur, je pense, parce que là, je parle. Là, ça coupe. Ça coupe, ouais, c'est ça. Ça va là, trancher, je chérie. C'est terrible. Arrête de passer sous des tunnels, c'est pénible. C'est bien, hein, Discord. Passe. Voilà, j'ai changé de serveur, peut-être que ça va aller mieux. Bah écoute, on va voir. Vincent, t'es pas coupé. Okay. Donc, je reprends. Alors, ce qu'il se passait, c'est que vous, Tonino et Rupert, oui, à moins que l'entité désire vraiment se cacher, vous pourrez directement la repérer, hein, parce que ça se voit, hein, c'est quelque chose qui est un petit peu plus translucide, enfin, plus, qui est translucide par rapport effectivement aux silhouettes des mortels. Donc oui, hein, ça se voit un petit peu comme le nez au milieu de la figure si ça se trouve devant vous, quoi, l'entité spectrale. Et donc nous-mêmes, on peut ne pas être juste l'un à côté de l'autre, on se voit d'assez loin, quoi. Tout à fait, tout à fait. S'il y a un fantôme à 100 mètres et que vous regardez à 100 mètres, et ben vous le verrez. Parce qu'on se sépare un petit peu, quoi. Oui, on peut. Je me posais une question. Est-ce que on peut voir du fantomatique à travers des caméras de vidéosurveillance ou pas ? Alors là, tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît. Un petit jet de occultisme plus intelligence. J'imagine que tu n'as pas occultisme en plus. Non. Eh ben non. C'est même un fumble. Ouais. Oui. Non, mais c'est forcément, t'es un fantôme, tu regardes des images qui sont générées par quelque chose, et quand, en tant que fantôme, tu peux voir les fantômes. Donc oui, tu les verras à travers la caméra, facilement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des énormément de vidéos de fantômes sur le net. Ouais. Bah écoute, je vais essayer d'aller à la... Comment ça s'appelle ? Au centre de sécurité. Merci, ouais, c'est ça. À ceux qui sont fantômes, moi, je leur dis quand même que s'ils découvrent quelque chose ou quoi, qu'ils n'hésitent pas à essayer de prendre, enfin, qu'ils prennent possession d'un téléphone ou autre pour nous tenir au courant et nous dire où ils sont. Enfin, j'ai donné ça un peu comme consigne quand même. Parce que, oui, bah, je pense que préparé, tu as pu leur dire effectivement avant qu'ils ne partent, hein, parce que vous, à la rigueur, Mathias et toi, bah, vous êtes un petit peu dans. Ah, on ne sait pas où ils sont déjà, parce que vous ne les voyez pas, vous. Bah, et puis j'ai pas pris de figure. Starbucks, Mathias ? Ouais, on va s'installer là-bas, on va boire un petit café. Pourquoi tout le monde rigole quand je dis je vais boire un petit café ? Parce qu'on t'a vu recharger ta flasque quand t'étais en... Ah merde ! Qu'est-ce que c'est un Irish coffee ? Quoi ? Il y a juste une larme d'alcool dedans. C'est ça. Une larme de géant. C'est ça. Une larme de dragon rouge. Ouais. C'est très rare, paraît-il. Ok. Bah toi, Tonino, tu fais quoi, alors ? Du coup, moi, je vais faire T vers le 8 et le 9, là. L'autre côté.
Alors, le 8, c'est là où se dirige Baralt, en fait. Ah, bon, mais merde, alors. Le 5. Le 5, ok. Tu vas donc aller aux toilettes, ça marche. Les toilettes. Alors, ce qu'il se passe, donc, on va commencer par notre très cher Rupert. C'est que tu repères assez facilement où se trouve la salle de sécurité, ne serait-ce parce que tu te dis que ça doit se situer dans la zone où il y a effectivement l'administration. Déjà, tu remarques qu'il y a l'air d'avoir des caméras un petit peu partout dans le hall. T'en vois effectivement qui filment les entrées du Starbucks, l'entrée principale de la gare, et aussi bien les escaliers qui mènent au souterrain permettant d'aller aux différentes voies. De la gare, qui se trouve donc en 11. Et en te dirigeant bien vers l'administration, tu vois que c'est super bien, parce que la zone effectivement qui est indiquée comme étant la zone de sécurité, bah, c'est marqué sur la porte. Donc c'est facile à trouver, quoi. Par contre, les portes pour y arriver sont fermées. En gros, t'as deux portes à traverser. Tout en sachant que si tu les traverses comme ça, hein, tu perds à chaque fois un point de vitalité. Bah sinon, j'essaie de prendre possession de la poignée, je ressors de l'autre côté. Oui, effectivement. Pourquoi je vous ai trouvé cette idée-là, moi? Il y a bien un jour, j'arriverai à vous piéger. À quoi on sert, les gens comme moi et Mathias, si on ne peut même plus ouvrir les portes, hein? Tu as pensé à ça? Écoute, je te propose de faire une manifestation de gilets invisibles, justement pour ça. Ok, donc tu arrives effectivement dans la salle en question, hein, qui est un petit peu cheap par rapport à ce que tu as pu voir dans les grosses boîtes dans lesquelles tu as travaillé, ou juste à la télé, hein, parce que c'est quatre pauvres écrans là, et pas la ribambelle qu'on peut avoir dans les séries télé. Et y a un seul type, un caucasien avec les cheveux coupés à ras, qui se tient un petit peu la tête et qui est en train de regarder les écrans comme ça, en bâillant un petit peu et en fermant les yeux parfois. Et donc tu peux voir qu'il semblerait qu'il y ait en tout 8 caméras. Et que sur les quatre écrans, en fait, à intervalles réguliers, les caméras changent. Genre, il semblerait que pour le premier écran, il soit relié à la fois à la caméra montrant la porte d'entrée, et après, relié à une des caméras montrant ce qui semble être les voies 1 et 2. Et donc, voilà. D'accord. Donc tu regardes un petit peu sur les caméras et pour l'instant tu vois aucun fantôme. Mais tu as vu effectivement sur la grande pancarte qui indique l'arrivée des trains que le prochain train va arriver dans 2-3 minutes. Donc tu es au taquet, peut-être qu'il sera là en train de regarder quelque chose parmi les passagers qui arrivent, hein, ce fameux fantôme. Donc là tu es au taquet, là tu regardes tout avec attention. Taquet. Mais est-ce que c'est marqué quelle ligne va être? La ligne qui va être desservie sera la ligne 3. Je vais prévenir mes collègues en leur disant que le prochain train arrive en ligne 3. Je pense qu'ils le savent. Il y a eu des annonces. Tu sais, là. Arrivant effectivement de Brooklyn. Et sur le point d'arriver. On sait jamais, tu sais, l'Irish Coffee, t'es concentré dedans. Oh là là, le groupe d'Intello. Moi, je me souviens, une fois, j'étais bloqué aux toilettes à la gare, je l'ai pas entendu arriver, le train. Voilà. Ouais. Un peu l'air con. En même temps, t'étais bloqué aux toilettes. C'est déjà con, ça. Ah non, mais ça, c'est une autre aventure. Ok. Donc, si tu veux appeler tes camarades à chaque fois qu'il y aura un tololot pour leur dire que c'est bien ça, et je suis tenté. En fait, Rupert, tu veux juste un peu passer chiant, pour un con, sais. Mais c'est pas grave. Ah, au fait, le petit Billy a perdu sa maman, voie 9-3-4. Voilà.
Bon, okay. Écoute, je vais... Bon, comme il est à moitié en train de pioncer, Jean-Mi, je vais cliquer de temps en temps, tu sais, sur la souris, c'est pour faire switcher les caméras. Tu vas aller sur les sites porno, moi je trouve ça honteux. Ok, ouais, tu feras ça, hein. C'est comme ça, c'est ta façon de faire. Hein. Ouais, alors, côté de notre très cher Tonino, qui donc lui se rend au numéro 5, et il découvre avec stupeur qu'il s'agit des toilettes. Tu vas finir bloqué, fais gaffe. Il y a effectivement au côté gauche les toilettes masculines et au côté droit les toilettes féminines. Ah là là, ça, il va se passer. Ah, je suis tenté là. je fais un petit coup d'œil pour voir si Rupert me voit ou pas. Je sais pas, est-ce que je vois sur les caméras ou pas. Bah toi au niveau, tu regardes un petit peu toutes les caméras, tout ça. Bah non, tu vois pas d'esprit dessus. Hein. Putain, Tonino, il s'est bien se planquer, hein, parce que tu vas devoir passer quelque part. Meilleur fantôme enquêteur. Donc, Tonino, de ton côté, est-ce que tu vérifies les toilettes? Dans ce cas-là, lesquelles? Toilettes hommes, comment c'est? Tu vas dans les toilettes hommes, d'accord. Eh bien, les toilettes sont composées d'un lavabo un petit peu crasseux, avec un miroir devant, puis et un truc aussi pour faire sécher les mains grâce à du vent, je sais plus comment on appelle ça. Et il y a en tout deux urinoirs et deux toilettes, effectivement, fermant à clé, enfin clé, avec une porte. Les deux sont au vert. Au niveau du loquet. Tu ne vois personne, à part effectivement un type qui est en train de se laver les mains et qui est sur le point de partir. Tu peux me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. D'œil, parce que pas un truc particulier. Perception avec vigilance. La perception... 3, vigilance, c'est où? C'est le premier. Ouais. Ah, ça fait 4. Oh. 2 réussites, c'est pas mal du tout. Alors, c'est un peu bizarre, parce que t'entends une respiration assez forte, qui semble venir d'à l'intérieur des toilettes masculines, alors que elles sont ouvertes, pour ce que tu peux voir. Bizarre. Je dirais même 3 réussites, le 10... Ah oui, 3 réussites, non, c'est vrai, à chaque fois j'oublie. 3 réussites, donc oui, tu es certain qu'il y a une respiration puissante, qui est, elle te paraît un petit peu étrange, parce que elle n'est pas naturelle, qui vient effectivement du niveau, comme je te disais, d'une des toilettes qui sont fermées, la porte est fermée, mais le loquet est au vert, indiquant donc qu'elle n'est pas verrouillée. Ah, mais c'est peut-être quelqu'un qui est dedans, puis qui a pas verrouillé, quoi. Ça dépend, il y a peut-être quelqu'un qui t'intéresse là-dedans, ça se trouve ça. Je sais pas. T'as vu le beau mec? Avec un tumulte, est-ce que je peux facilement faire bouger la porte, juste pour la faire bouger et faire réagir celui qui serait dedans? Pour son ouvreur spécialement? Tout simplement là. C'est comme une limite sans trop dépenser en fait. C'est vraiment. Alors, pour la faire bouger. Alors clairement, la faire bouger un tout petit peu. Clairement. Alors, il faut que je voie à combien de 0 points de vitalité. Parce qu'il me semble que tu peux quand même faire bouger 2-3 kilos à 0 points de vitalité. Faut que je vérifie ça. Alors. Un point en force et en dextérité. Oui. Pour ça, effectivement, tu peux appuyer sur la porte et la tirer avec. C'est avec un point de force et un point de dextérité, tu peux le faire facilement. Tu n'as même pas besoin de jet de dés. Et donc, c'est ce que je cherche à faire. Je cherche à m'économiser, ça n'y a pas besoin. Donc, je cherche juste ça pour faire réagir ça, celui qui est à l'intérieur. S'il y a quelqu'un à l'intérieur. Tu l'ouvres un petit peu sur le côté. Et en jetant un coup d'œil à l'intérieur. Tu tombes sur une scène horrifique. Tu vois devant toi un homme, le pantalon baissé,
et qui, visiblement, eh bien, est du genre American Fat. C'est quelqu'un d'assez obèse, donc. Et donc, il n'a plus que la porte ouverte, il a posé les yeux sur toi en plus, il a fait, mais comment osez-vous ouvrir cette porte? Non! Non, je ne l'autorise pas, monsieur! Déjà, ce qui t'interpelle, c'est que, ben, t'as vu. What? Et quand tu te regardes un petit peu mieux, ce monsieur, un petit peu obèse avec le pantalon qui lui arrive sur les chevilles, en train, sans doute, de lâcher un gros étron, tout du moins qu'il essaie, eh ben, tu vois qu'il est complètement translucide. C'est clairement un fantôme ou un esprit ou un projeton. Et il avait l'air de tenir... C'est comme s'il avait tenu une espèce de journal dans ses mains, mais qu'il n'y avait pas de journal, en fait. Et donc là, il te regarde avec un air complètement éberlué, tout simplement en t'apostrophant. Ces paroles que tu dois être le seul à entendre, parce que de toute façon, le type qui était en train de se nettoyer les mains, est en train de sortir les mains dans les poches en sifflotant. L'homme qui est donc sur les toilettes, le fantôme, se relève donc d'un bond en essayant de remonter son pantalon en disant « Non mais c'est du voyeurisme ce que vous faites là, monsieur. C'est honteux. Votre nom, je vais porter plainte pour voyeurisme. » Écoutez, je m'attendais pas à vous voir. Hein. Mais je parie que vous ne vous appelez pas Stuart et que vous êtes mort sur les toilettes en faisant un effort de trop. Et ben, tu vois qu'il est... Quand tu commences à lui parler, il y a certaines choses qui ont l'air d'imprimer dans son esprit et d'autres non. Enfin, mort sur les toilettes. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est ce que vous dites lorsque vous êtes en surpayé, enfin vous jouez au voyeur, que les gens sont morts? Non. Attendez. Il est en train de remonter son pantalon et tout. Moi, je vais vous donner une rouste, vous allez voir. Petit con comme vous, là. Tout ce qu'il mérite, c'est une bonne fessée. Et il commence effectivement à se relever. Par contre, t'as déjà vu des photos quand même de votre de la personne que vous pensez chercher effectivement. C'est pas lui. Donc Stuart Maddox. Et non, c'est pas du tout lui, clairement. Et bah, il commence à se précipiter vers toi, les poings en avant, pour te donner une bonne correction. Fais-tu. Ok, si je fais une peau de caméléon, est-ce que ça marche sur les esprits? Est-ce que je pourrais ne plus être visible? Je fais un petit pas de côté au départ pour ne plus forcément être dans son angle de vue, pour quand même faire une peau de caméléon, et s'il regarde après, espérer qu'il ne me voit plus. Alors, peau de caméléon, je ne me rappelle plus comment ça marche. 197. Je peux pas déterminer en fait la couleur, etc. Et que c'est de la, c'est comment dire, c'est du bonus à la dissimulation. J'avais noté tout ça. Oui, bah oui, à la rigueur, tu peux essayer, par exemple, de te plaquer contre un mur après qu'il t'ait, ben, il faut que, pendant un instant au moins, tu ne sois pas dans son champ de vision, par contre. Ça. Je profite du fait qu'il va sortir pour moi. D'accord. Donc, comment est-ce que tu fais? T'essayes de te mettre juste sur le côté, ou alors de te mettre sous l'évier? Dans un coin un petit peu plus à l'ombre, exactement. Dans un coin uniforme, donc si j'ai un coin de mur où il y a rien, ou si effectivement il y a que sous les éviers ou contre une paroi des toilettes, ben. Il n'est pas vraiment uniforme parce que ben comme je disais, la peinture est un petit peu écaillée, mais à la rigueur, peu importe quoi, hein, parce que tu vas prendre la couleur principale du mur. Et à ce moment-là, s'il regarde dans ta direction et qu'il te confond avec le mur, c'est juste qu'il n'y aura pas les fameux endroits où la peinture est tombée, quoi. Mais bon. Ouais, ça, bah, je me plaque à côté du séchoir. Ok. Bah, tu me fais ton petit jet de perception plus perception n'importe quoi. Ton petit jet de furtivité plus à ce moment-là, ça va être. Normalement, ça devrait être de la dextérité, mais là, ça va être de l'astuce, parce que tu utilises plutôt ton astuce pour dissimuler que ben, tout simplement essayer de te planquer en te contorsionnant, par exemple.
tu as qu'une réussite finalement. Parce que tu as le 1 qui annule donc une réussite. De ton côté, quand tu te places sur le mur et que tu vois la peau de Camillon, tu fais putain, ça va pas le faire. Clairement, je suis visible. Je suis visible. Tu vois que le fantôme, lui, effectivement, traverse la porte des toilettes, regarde un petit peu partout, tout ça. Alors que t'es persuadé qu'il a posé les yeux sur toi et que, il t'a repéré et qu'il va te foncer dessus. Tu vois qu'il retourne la tête. Un petit peu partout, il fait, il est parti. Il commence à se masser un petit peu le ventre. Faut que j'y retourne. Et, t'as l'impression qu'il fait comme le mouvement pour ouvrir la porte. Alors qu'elle est déjà ouverte. Et qui passe donc à travers la porte une nouvelle fois et qui t'as l'impression qu'il essaie de faire un mouvement également pour la refermer, ce qui ne la referme pas. Ok. Mais alors, au moment où j'ai compris qu'il faisait le mouvement, qu'il croyait que, etc., au moment où il veut la fermer, moi avec le tumulte, je la referme. Ok. Donc ça, y a pas de problème là-dessus. Hein. Tu peux le faire directement. Après, tu peux me faire un petit jet d'intelligence plus occultisme. Pas lourd. Oh, par contre. Pas mal. C'est pas mal. Continue. Ah ouais, ce genre, tu penses avoir un petit peu une idée de ce qui s'est passé. Parce que on t'en a tellement parlé, Orpheus, que maintenant ça s'est imprimé dans ton petit crâne. Ce que t'as vu, c'était sans doute ce qu'on appelle un drone, c'est-à-dire un fantôme à basse vitalité. Et ce genre de fantôme, en fait, généralement, n'est même pas conscient de sa propre mort, et il répète une espèce de routine à l'infini. Donc effectivement, il perçoit les vivants et il perçoit les autres fantômes, mais ils entrent en fait dans sa routine, comme s'ils avaient toujours été là, comme si c'était des collègues à lui, etc. Ça dépend effectivement d'où il est mort et de la routine qu'il refait. Donc là, comme c'est effectivement un fantôme qui était visiblement mort dans les toilettes et qui était sur le trône à ce moment-là, il doit passer son éternité à essayer de faire tomber un étron qui ne tombera jamais. On a vu plus poétique comme fin. Mais c'est l'humanité jusqu'à la mort. Pauvre humanité, effectivement. Ok. Donc, Je reste pas là. Voilà. Ok. Non, mais il a pas l'air d'être là, votre Samaritain invisible. Ça a pas l'air d'être lui, tu penses pas, non. il est trop faible comme fantôme pour faire les genres d'effets dont on vous a parlé. De côté. De Méline et de Mathias, vous prenez votre café au Starbucks, qui a toujours des prix outrageusement chers. On se met dans un petit angle et tu sais, j'ai placé Mathias face à moi comme ça. L'idée, c'est que je puisse, tu sais, faire un. Je crois qu'on peut se projeter brièvement, tu sais, pour voir. Oui, bien entendu. À partir du moment où vous êtes dans un endroit, j'ai envie de dire, qui est. Qui vous permet de méditer pendant quelques secondes, vous pouvez effectivement. Vous projetez voilà, instantanément et donc après faire ce que vous voulez. Pendant que Mathias vous pouvez le faire tous les deux dans son café, Je jette un œil dans le Starbucks en fait. Mais Mathias peut également se projeter s'il le souhaite. Il se projette dans son café. Non, c'est qu'on ne devient pas invisible tous les deux, c'est pour ça que je m'étais placé comme ça. Je croyais que tu devenais un peu invisible quand tu te projetais. Mais... Ah non, c'est juste que tu as l'impression de dormir, ton personnage est là sur la table et il dort. Je me projette pendant qu'il boit sa picole. Ok. Alors, pour l'instant, dans le Starbucks, il y a encore assez peu de clients, à part vous. Il y a juste un petit couple qui, ça dégénère un petit peu quand tu essayes de méditer, justement. Parce qu'ils ont l'air d'un petit peu se disputer, hein. Tu sais, la dispute typique, hein. Genre, pourquoi est-ce que tu as dit qu'elle était mieux coiffée que moi? Je n'ai pas dit qu'elle était mieux coiffée que toi, j'ai dit que sa coiffure était recherchée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la mienne, elle est simple, elle est pas recherchée, c'est ça.
non, mais c'est pas ce que je disais. Bon, bref, c'est ce genre effectivement de discussion sans fin que ce petit couple a. Et la seule autre personne présente, c'est effectivement les employés qui se trouvent derrière le comptoir, un petit peu au sud, juste devant effectivement ce qui semble être la porte menant à la cuisine en quatre. Et les employés, pour l'instant, sont en train de nettoyer le comptoir, parce que le rush ne va sans doute pas tarder avec l'arrivée des trains allant de 19h vers 21h, vers 21h. C'est là où le gros des personnes, des usagers arrivent, en dehors de la matinée, évidemment. Je pense pas qu'il se manifeste à cette heure-là. Je pense qu'il se manifestera vraiment. Alors j'ai pas trop lu les rapports, mais moi j'avoue que j'ai une idée. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait que l'un d'entre eux que l'agresse ouais. pour qu'il se manifeste. C'est con à dire, mais je pense qu'il va peut-être falloir qu'on provoque l'agression. Tu sais que j'ai eu l'idée, mais en fait, merde, j'avais oublié que j'avais cette idée-là. c'était l'idée qui faisait que, non, finalement, j'y allais physiquement, quoi. On peut attendre quelques temps, mais si on voit qu'il ne se manifeste pas, à la limite, on simule une agression pour voir avec. Bon, on s'arrange à ce moment-là pour qu'il y ait nos deux invisibles avec nous, mais pour le faire apparaître, en fait. Parce que s'il réagit à des agressions, il devrait se manifester. C'est une bonne idée, mais l'heure qu'il est, je pense pas qu'il va se manifester à ce moment-là. Je pense que ce sera plus tard. Il y avait différents timings sur les agressions. Ça, on doit l'avoir dans le rapport, les heures des agressions. Alors, si vous avez fait un petit peu de recherche, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'heure particulière. Visiblement, l'amplitude horaire, ça va de l'ouverture de la gare, c'est-à-dire vers les 6h du matin. Jusqu'à effectivement tard le soir, à l'arrivée des derniers trains là. Donc des horaires qui arrivent facilement vers les 23h30 minuit. D'accord. Après on peut attendre que ce soit plus tranquille pour nous quoi, pour que ce soit plus simple là, c'est machin mais je suis pas sûr que pour lui ça fasse une différence. Le problème c'est que tu risques d'avoir des gens qui vont venir, qui vont intervenir en fait. Des vrais gens. C'est possible aussi, oui. Et qu'ils appellent les flics. C'est pas con. Donc, bon... si. Il faut ce qu'il faut pour réussir la mission, moi. Ouais, mais je tiens pas à aller en tôle pour ça, quand même. Si jamais c'est moi qui dois t'agresser. Non, mais vous comprenez pas, c'était un sketch. Elle le filmait avec son téléphone. C'est ça, ouais. C'est une cascadeuse du net, elle s'appelle Méline, je vous jure. On travaille ensemble. Mais moi, non. Je l'ai jamais vu, ce type-là, moi. Alcoolique, va. C'est cool, c'est une quadrille pour se sortir d'affaire. C'est ça. Ah, les hommes, ils sont tellement honteux. J'avais enfin une occasion, quoi. Merde, il n'a pas marché. Zut. Ok. Donc, toi, Méline, tu restes dans le Starbucks. Ouais, puis à la limite, on peut alterner, si Mathias se souhaite, on alterne les moments où on se projette pour quand même jeter un petit peu. Si on a la marque, parce que pour l'instant, quand tu regardes le Starbucks, ouais, il n'y a rien d'intéressant. Fantomatique. Tu veux qu'on aille sur le quai? Du prochain train qui arrive? On va aller voir, on peut peut-être bouger. Ouais. On va aller sur le quai du prochain train qui arrive. Ok, vous allez donc aller au niveau du quai numéro 3. Vous devrez donc passer par la voie souterraine. Okay. Sauf si vous voulez jouer à saute-mouton pour traverser les voies. Vous pouvez, ça ne me dérange pas. Non, je vais prendre le souterrain parce qu'il y a peut-être, okay. Peut-être des informations sur les murs, des tags, des choses comme ça. Oui, il y a des tas de tags effectivement. Après des informations spécifiques, qu'est-ce que tu cherches exactement? Et vous y allez de quelle façon en fait? Vous y allez physiquement ou vous y allez en tant qu'esprit? En faisant en sorte que vous ayez l'impression de tous les deux de vous reposer ou de dormir un petit peu au niveau de votre table actuellement dans le Starbucks. C'est dangereux de faire ça. Ouais, parce que là, si tu viens et qu'on te dit monsieur, compte 3 morts, que tu te prends des électrodes, ça craint quoi. C'est ça. Ou alors, fait qu'on aille se foutre dans la bagnole, comme on faisait à chaque fois. Ouais, comme on faisait à chaque fois, ouais.
aller effectivement dans la voiture pour méditer. Oh, bon, on peut faire ça, puis on va aller faire un petit tour en fantôme. Ouais. Allez, on va aller méditer dans la voiture. On va aller faire notre sieste dans la voiture. Ouais. On prend un café à emporter. Ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ça. Et donc après, revenir effectivement directement en temps qu'esprit son corps. Et donc, à ce moment-là, comme c'est important pour vous, les glisseurs, il est à peu près 19h lorsque bien vous faites, enfin vous arrivez dans la gare. De ton côté, toi, mon très cher Rupert, ah ben franchement, ben déjà tu trouves pas ce fameux Stuart. Puis en plus, ben Tonino, bordel, mais c'est un vrai ninja. Tu le vois sur aucune caméra. Ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Non, mais tu savais qu'il avait une espèce de passé peut-être sulfureux, notamment avec... tu subodores qu'il aurait pu faire partie de la mafia. Et donc oui, il a dû apprendre ça avec eux, hein, tu sais, vérifier, ils ont des caméras, tout ça, passer en dessous, tac, tac, tac. C'est un ninja mafieux, et c'est très rare. Ouais. Et tu en connais, tu pourras le lire. Il paraît qu'il y a une BD avec ça, c'est un mafieux qui est bordu par une tortue ninja et il devient un ninja. Voilà. C'est terrible. Des millions d'exemplaires vendus de la BD. Ça s'appelle Mafieux Ninja. Ce qui fait peur, c'est que c'est quand même notre personnage, Entello et hacker. Hein, quand on voit les qualités. Ouais, non, mais je suis. Ah, ça fait peur. Hein. Ouais, ouais, mais il croit tellement à la possibilité de la technologie. Non, mais après, t'en as peut-être marre, je vais quand même t'autoriser à sortir, hein, t'inquiète. Ouais, je veux bien, je vais aller faire des petits bons en spectre même avec mes ailes. Tu vas avoir un éclair lumineux de peut-être, en fait, si je vois personne, c'est que ça marche pas. Ouais, je t'avoue, le hacker qui fait une réussite, t'es en mode, ouais, non, ah non, qui fait des échecs critiques sur les machins, t'es en mode, ouais, non, ça passe. Ouais, de toute façon, je vais aller. Ce que j'aurais bien fait, c'est ce que je me serais peut-être baladé sur les quais en sautant de quai en quai avec mes ailes de. Ok. Pour aller plus. Pas vite. De soucis. Hein. Je rappelle par contre pour ceux qui utilisent donc des souillures, vous gagnez des points de rancœur quand vous faites ça. Ah ok, d'accord. Bah non, je ne saute pas de quai en quai avec les Elden. Par contre, pour celui qui utilisait peau de caméléon tout à l'heure... Hein... J'ai gagné un point de rancœur. Tout à fait. Ouais. Un point temporaire de rancœur. Ouais, parce que sinon, vos personnages, ben disons qu'ils iraient très très vite. On te l'informe quand ça dépasse ce qu'il y a déjà de... Alors, normalement, vous avez deux jauges pour les points de rancœur. Vous avez la jauge du haut, je crois, que j'ai déjà dû remplir un petit peu. Mmh. Et vous avez la jauge du bas. Il faut savoir que la jauge du bas, c'est les points temporaires. Quand ça va donc de 1 à 10, et quand vous avez 10 points, bah, vous gagnez un point sur le truc du haut. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est comme... Parce que sinon, hein, vos personnages, ils auraient une vie durée de vie très très courte. Ok, donc tu ne sautes pas d'hockey en quai. Ok, bah à un moment tu finis par retrouver déjà il y a Tonino hein, qui sort des toilettes hein, quand tu sors également de ton côté et tu vois également tes camarades Méline et Mathias arriver eh bien par la porte d'entrée de la gare. Il faut dire que vous les fantômes vous repérez plutôt facilement hein, et parce que vous êtes translucides. Et je pense que toi, tu vas directement aller voir Tonino et dire hey, « T'es super fort, tu m'apprendras tes trucs de Bafu Ninja ?» Ouais, c'est ça. Comment t'en fais pour être invisible sur les caméras? Ah, mais j'utilisais peau de caméléon. Waouh. Ça va être le quiproquo. C'est facile, tu sais pas faire, toi. Et vous avez bien thé avec ça. Pas de problème, il parle d'une caméra qui devait être dans les toilettes, bien sûr, bien sûr.